et massive lors de nos différentes réunions qu'on organise sur cette plateforme. Je pense qu'on a l'habitude de le dire maintenant depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Ces rencontres étaient l'occasion pour nous de contribuer au renforcement des capacités de manière globale des décideurs et acteurs en Afrique, des acteurs des collectivités territoriales, les acteurs du développement local, les acteurs de la gouvernance globale au niveau de nos institutions. Donc, nous vous remercions vraiment pour votre participation, pour l'ensemble de ces webinaires passés et même présents aujourd'hui. Donc, peut-être sans plus tarder, je vais remettre la parole à M. Khadim Rassou Gueye, qui est l'une des personnes qui nous aide dans l'organisation de ces rencontres-là, de même que Mme Ba Aissatou Dramé, pour faire revenir sur quelques éléments de rappel, hein, pour nous permettre d'avoir une excellente session. Khadim, la parole est à vous. Merci, Monsieur Cissé. Donc, bonjour à tous, bonjour chers élus, bonjour chers partenaires, bienvenue sur la plateforme pour ce septième webinaire sur le financement innovant et réponse aux appels à projets du Fonds vert climat pour les collectivités territoriales. Donc, avant d'entamer les travaux, je voudrais un peu revenir sur quelques exigences techniques pour faciliter le confort d'écoute à tout le monde. Donc, nous demandons de garder les micros fermés pour éviter les interférences durant les présentations. Et une fois que les échanges seront ouverts, vous pourrez les ouvrir pour prendre la parole et intervenir. De même, si vous sentez que votre connexion n'est pas très stable, il est recommandé de désactiver la caméra pour optimiser votre écoute. Également, nous vous informons que l'interprétation simultanée est disponible. Donc, ceux qui veulent écouter en anglais, c'est possible de le faire à partir du bouton que vous verrez en bas de votre écran. Donc, vous choisirez la langue qui vous sied le mieux. Et enfin, nous vous informons que la session est enregistrée et diffusée sur les réseaux sociaux à partir de notre page OIDP Afrique et ENDA EcoPop. Good morning, everyone, dear elected representatives and partners. My name is Khadim Gueye, and I'm project manager at IOPD Africa. I would like to welcome you to the seventh webinar in the frame of MASTA, Marathon des Savoirs de Territoire. Before starting the webinar, I would like to go over a few technical requirements. So for a better listening comfort, we ask you to keep the microphones off. And once the exchange, the discussion are open, you can use your microphone to take the floor and give your contribution. We would like also to inform you that there is interpretation. So if you wish to listen in English, you can go down your screen and click on the interpretation button. And finally, we would like to inform you that the session will be recorded and broadcast on social media from our Facebook page. Thank you, everyone. Donc, je vais remettre la parole à Monsieur Cissé pour le cadrage. Merci bien. Merci, Khadim. Je voudrais rappeler aujourd'hui notre thématique, commencer par rappeler notre thématique qui est vraiment d'actualité et dont l'importance n'est plus à démontrer. La problématique des changements climatiques aujourd'hui traverse tous les débats. Aujourd'hui, dans tous les continents, surtout durant ce mois d'été, dans l'hémisphère nord, on a tous subi les contre-coups de ces changements climatiques-là, de par les chaleurs excessives qu'on vit dans nos différents pays, de par les nombreuses inondations qui traversent aujourd'hui le monde partout. Je pense que le débat ne se pose plus par rapport à ces changements climatiques, par rapport aussi à l'origine. C'est vrai que il y avait beaucoup de doutes sur l'origine humaine, mais aujourd'hui, on ne se pose plus la question sur les effets de l'origine humaine sur ces changements climatiques, mais tout comme aussi d'autres origines qui sont là et que les chercheurs essayent de regarder le plus près. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui d'échanger sur une thématique qui est le financement innovant.
et réponse aux appels à projets du Fonds vert climat par les collectivités territoriales. Quelle approche et bonne pratique pouvons-nous avoir pour nous permettre encore une fois de pouvoir prendre en charge cette problématique-là? Et il faut le dire aussi, nous visons à travers ce webinaire-là surtout non seulement de renforcer les capacités, mais en permettant surtout aux participants de mieux connaître le contexte du changement climatique, surtout en Afrique. De présenter aujourd'hui un mécanisme dont on entend souvent parler, qui est le Fonds vert climat, qui fait partie des mécanismes de financement, et parler aussi des types d'initiatives qui peuvent être éligibles au niveau de ce fonds-là. Nous allons aussi surtout voir comment partager avec vous les approches et bonnes pratiques de réponse à succès qui existent. Ça peut être au Sénégal, tout comme dans d'autres pays. Les participants qui sont là aussi sont invités à partager aussi les expériences de leur pays. Et nous voulons aussi surtout partager quelques exemples de projets d'atténuation ou d'adaptation ou de projets mixtes qui ont été financés au niveau surtout de nos collectivités territoriales. Et cet apprentissage est important pour nous tous, surtout collectivités territoriales, parce que nous voulons, à travers cette rencontre-là, voir comment formuler des recommandations à l'intention des collectivités et des praticiens accompagnateurs, surtout pour une facilitation de l'accès au financement vert climat pour la mise en œuvre de leur programme de lutte contre les changements climatiques. Et pour ce faire, nous avons invité aujourd'hui quelqu'un qui a une double casquette. Je le qualifierai de praticien-chercheur. Il s'agit du directeur de l'Agence régionale de développement de FATIC au Sénégal, Monsieur Didiak Faye. Directeur, merci d'être là avec nous et comme d'habitude de venir partager avec nous vos savoirs et vos connaissances et vos expériences avec générosité chaque fois qu'on fait appel à vous pour cela. Monsieur Didiak Faye est, je l'ai dit, directeur régional de développement de l'Agence régionale de développement de FATIC. Mais il est diplômé aussi de l'ENEA, l'École nationale d'économie appliquée du Sénégal, qui a changé de nom, qui est devenue l'ESEA. Il est spécialisé en aménagement et développement territorial et décentralisation. Il est également diplômé de l'École nationale des cadres ruraux de Bambéi, avec une option agriculture, titulaire en même temps d'un master en agroforesterie, écologie et adaptation à la Faculté des sciences et techniques, département de biologie végétale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Faye est actuellement doctorant à l'école doctorale EDCF, qui est à l'Université Cheikh Anta Diop. Il travaille sur le thème de recherche changement climatique et résilience au secteur agricole au Sénégal. Donc, pour vous dire que c'est la bonne personne, à mon avis, auquel nous nous sommes adressés et qui a accepté généreusement de préparer une communication et de la partager avec nous tous pour ce processus de renforcement des capacités. Directeur, encore une fois, au nom du directeur exécutif de Hyundai Ecopop, M. Bachir Kanouté, et secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique, nous remercions très chaleureusement aussi pour avoir accepté cette invitation et préparé cette communication. Sans plus tarder, nous allons vous donner la parole pour nous présenter ce que vous avez préparé pour l'ensemble des participants qui sont présents ici sur cette plateforme. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Bonjour tout le monde, chers participants et participantes à ce webinaire. Permettez-moi d'abord de remercier Monsieur Cissé, mais toute l'équipe de Hyundai Ecopop et de l'UDP d'avoir choisi ma modeste personne pour faire cette présentation aussi pertinente vu le contexte actuel du monde et en particulier de l'Afrique. Merci donc de nous permettre de partager ce qu'on a eu à faire à FATIC, dans la région de FATIC, relatif justement aux appels à projets du Fonds vert climat. C'est une expérience
intéressante parce que le débat aujourd'hui, c'est comment les collectivités territoriales pourraient accéder au fonds vert. J'aime rappeler que, en tout cas, à la COP de Paris, j'ai bien gardé cette phrase, il a été noté que l'apport des collectivités territoriales dans le cadre de l'adaptation au changement climatique est crucial. Donc, il faudrait que ces dernières puissent aussi être au rendez-vous par rapport au financement climat pour que leur contribution soit effective. Donc, c'est pourquoi nous avons comme élément de partage, d'abord, le contexte des changements climatiques en Afrique. Je dois dire aussi, c'est une proposition de l'EIDP, mais que je trouve intéressante et je l'ai gardée telle, sans rien changer, parce qu'il faut d'abord contextualiser ce changement climatique en Afrique. Les mécanismes de financement et initiatives éligibles au Fonds vert, qui est une réponse à ces changements climatiques, les approches et bonnes pratiques de réponse à succès. Justement, on va partager cette réponse, j'allais dire territorialisée, que nous avons vécue à Fatick, mais à succès, je mets entre guillemets, parce qu'on n'a pas encore le financement, on est sur le chemin. Mais c'est ça, justement, à mon avis, l'intérêt de ce partage pour beaucoup encore appréhender, comprendre les difficultés des territoires à accéder à ce fonds vert pour le climat. Quelques projets financés au niveau des collectivités territoriales. Évidemment, nous avons bien des projets d'adaptation au fonds vert, d'adaptation financés par le fonds vert, mais qui ne sont pas portés, qui ne sont pas donc présentés par des collectivités territoriales, mais par d'autres entités. Et l'enjeu aujourd'hui, le défi, c'est que les collectivités territoriales elles-mêmes portent ces projets auprès du fonds vert ou bien auprès d'autres bailleurs du climat pour elles-mêmes mettre en œuvre ces projets. Analyse des limites et des défis de l'accès au fonds vert, je pense ça c'est une question importante, et les recommandations qu'on va proposer selon ce qu'on a vécu ici dans le cadre de ces appels à projets du fonds vert climat. Donc, dans un premier temps, c'est le contexte des changements climatiques, mais vous allez me permettre d'abord de parler globalement des changements climatiques, parce que les changements climatiques, c'est un phénomène mondial, ce n'est pas seulement en Afrique, et certainement, en termes de manifestation, c'est très horizontal. Évidemment, d'un territoire, soit-il continental, régional ou pays, on peut avoir des manifestations plus ou moins différentes selon qu'on est plus ou moins résilient. Mais on va considérer d'abord globalement les changements climatiques en essayant de revenir sur quelques définitions de façon très, très rapide, qui désignent donc les variations des températures et des conditions météorologiques sur le long terme. Donc, le changement climatique doit être évalué sur une durée relativement longue et ce n'est pas des changements observés en un pas de temps. Peut-être d'une année à une autre qu'on pourrait qualifier de changement climatique. Les causes, il y a des phénomènes naturels, M. Cissé en a parlé tout à l'heure, mais il faut reconnaître que depuis le début du 19e siècle, je dois dire, l'activité humaine est la cause principale, notamment avec l'utilisation des combustibles fossiles, tels que le charbon, le pétrole et le gaz, qui produisent des gaz à effet de serre. Donc, en résumé, ce sont les gaz à effet de serre qui sont les causes du changement climatique. Évidemment, il est bien connu qu'il y a toujours les gaz à effet de serre parce qu'ils ont un rôle régulateur nécessaire pour donc la vie sur Terre. Mais ces gaz à effet de serre sont d'une présence anormalement élevée que ces changements climatiques se produisent. Et les concentrations mondiales aujourd'hui, en 2020, étaient estimées à 413,2 ppm. Et de façon très ponctuelle d'ailleurs, nous avons remarqué la baisse à cause ou grâce au COVID, je dois dire, qui avait quand même permis en 2019-2020 une baisse de l'activité humaine très très drastique parce qu'il n'y avait plus de voyages, donc tout le monde était resté chez lui. Et ça, c'est une preuve que c'est les activités humaines qui sont la cause de l'en tout cas la présence exponentielle
des gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Et cette présence de gaz à effet de serre, notamment le CO2, d'ailleurs c'est le gaz qui sert de base d'unité, nous voyons que de 1985 à 2020, globalement, c'est une augmentation, c'est une croissance régulière de cette courbe de présence de gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Et j'ai dit que lorsque nous avons donc une présence de gaz à effet de serre anormalement élevée, effectivement, le réchauffement va s'en suivre. On va y arriver. Mais voilà la présence des gaz à effet de serre à gauche, la droite A, montre que ces gaz donc, continuent à envahir l'espace et de façon ponctuelle, annuelle, nous voyons ici la courbe de variation et la baisse de 2020 est très apparente ici grâce ou à cause, je dois dire, du COVID qui avait quand même baissé les activités humaines dans surtout le globe. Et déjà, 1,2 degré de réchauffement au niveau mondial par rapport à la situation d'avant. Et ce qui est frappant, c'est l'intensité du réchauffement climatique. N'est-ce pas? 2022 a été cité comme une période relativement, une année très forte, très élevée en termes de température par rapport à la moyenne préindustrielle. Et c'est le rythme qui est supérieur aux projections même précédentes. Évidemment, il y a eu des projections d'augmentation de température, mais le rythme auquel les choses se passent dépasse ce qui a été prévu. Et les températures augmentent aussi de façon très rapide, trop rapide pour que les écosystèmes puissent s'y adapter. Ça, c'est le rapport du GIEC de mars 2023. Certainement aussi, les températures, surtout les gaz à effet de serre aussi augmentés en termes de présence et que la température s'élevait de plus en plus, mais que les écosystèmes de façon générale puissent s'y adapter, il y aurait moins de problèmes. Mais il est évident que nous allons vers des horizons pour lesquels les écosystèmes terrestres ne pourraient pas s'adapter à cela. Nous avons aussi ici un diagramme qui montre les écarts de température moyenne annuelle par rapport à la normale. Pour la période 1991 et 2020, on voit que donc, les écarts sont très, très élevés par rapport à la période normale sur l'augmentation de température entre 1980 et 2000 et entre 1980 et 2020. Tout ça, c'est pour montrer que les scientifiques démontrent à suffisance la variation de la température au bord, aux alentours de la Terre. Et nous avons ici aussi une augmentation de la température globale, mondiale, dans chacun des scénarios par rapport au niveau de 1850-1900. Ça veut dire quoi? Même les scénarios les plus optimistes, qui est le SSP 1.9, montrent une augmentation de température qui est la plus basse, certes, mais reste supérieure à une période de référence qui est de 1850 à 1900. Et une période, un scénario extrême que le SSP 5.8.5, qui, on va y arriver, si rien n'est fait, on va encore augmenter, on va continuer, je veux dire, à augmenter la température autour de la Terre. Et ça, c'est le sixième rapport du GIEC aussi, publié en mars en 2021. Donc, tout cela montre que, à suffisance que la température terrestre augmente, et cela aura des conséquences effectivement négatives. Pour le moment, d'ailleurs, 2023 est la troisième année la plus chaude, ça veut dire tout ce qu'on vient de dire, c'est dans le passé, mais même l'année en cours, ce voudrait être l'année la plus chaude observée, d'après Sarah Kapnick, qui est scientifique en chef de l'Agence météorologique et océanographique américaine. Et ça, c'est au mois d'août qu'il a fait cette déclaration, en août 2023. Et la probabilité qu'elle devienne la plus chaude s'élève à peu près à 50%. Ça veut dire qu'on continue de nous échauffer. Alors, il est clair que la température, à cause des gaz à effet de serre, augmente, mais quand même, nous avons ce qu'on appelle les climato-sceptiques. C'est important de le préciser parce que nous allons parler tout à l'heure de finances climatiques et ces climato-sceptiques déjà influencent sur la mobilisation financière du climat. Nous avons vu que la COP de Paris qui avait surtout décidé
d'appui à l'adaptation n'a pas connu les espoirs donc qui étaient attendus, parce que tout simplement, tel que l'ancien président américain faisait partie, en tout cas, des climato-sceptiques qui ne pensent pas nécessaire peut-être de mobiliser avec autant de force pour la question de l'adaptation. Donc, les climato-sceptiques, à mon avis, sont à adresser pour que la mobilisation mondiale puisse adresser correctement la question de l'adaptation et de l'atténuation, mais surtout le financement. Et donc, il pose des questions auxquelles il faut répondre quand il dit le climat a toujours changé. Oui, le climat a toujours changé, a toujours connu des modifications, mais le consensus est effectif pour l'ensemble des climatologues pour dire qu'il n'a jamais changé aussi rapidement. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a eu toujours une modification du climat, mais la rapidité, l'intensité du changement du climat pose problème pour montrer que, effectivement, les changements climatiques sont bien une réalité. Donc, toutes les études scientifiques convergent donc pour expliquer que l'utilisation des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, sont la cause principale. L'autre question à adresser aussi, c'est le réchauffement s'est arrêté en 1998. Il est vrai, cette année a été une année chaude à raison du phénomène météorologique El Niño, mais quand même, les records de chaleur ont ensuite repris. Si c'était arrêté en 1998, on n'allait pas revu bien des années après, donc d'autres records en termes de chaleur, tels que l'année 2010. Et on est en train de dire que 2023 peut-être serait une année la plus chaude. Et on a aussi vu tout à l'heure 2022 qui était aussi particulièrement chaude. Ça veut dire, après 1998, d'autres phénomènes météorologiques se sont manifestés pour dire que le réchauffement ne s'est pas arrêté en 1998. Ils disent aussi que les vagues de froid contredisent l'idée de réchauffement. Effectivement, la balance entre vagues de froid et vagues de chaleur fait penser qu'il n'y a pas de réchauffement. Mais les scientifiques disent qu'il ne faut pas qu'ils confondent météo et climat, parce que la présence d'épisodes de froid ne doit pas faire oublier qu'en moyenne, les températures augmentent et que les vagues de chaleur sont de plus en plus nombreuses. Donc, quand on fait la moyenne, les courbes précédentes montrent que la température autour du globe augmente, même s'il y a aussi des coups de froid et qui confirment encore ces changements climatiques qui s'expriment par une variabilité justement très forte des facteurs climatiques. En 1922, en France, par exemple, 21 jours ont été anormalement froids contre 125 jours anormalement chauds. Donc, cette variabilité des facteurs climatiques, encore une fois, constitue une preuve fondamentale sur les changements climatiques. Comment répondre? La Terre a déjà connu des niveaux de CO2 plus élevés. Donc, là aussi, il est comparé deux périodes très différentes, il y a cela 140 millions d'années. Donc, les contextes n'étant pas les mêmes, on ne peut pas se baser sur cette période très lointaine pour dire que nous sommes dans des conditions identiques pour faire les comparaisons. Donc, le problème du réchauffement climatique actuel réside dans la rapidité avec laquelle la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente. Donc, ça, c'est le GIEC qui le dit et ça ramène encore à cette intensité, à cette rapidité d'émission de gaz à effet et d'augmentation de la température. Évidemment, les conséquences donc sont graves, exponentielles. Nous avons des événements météorologiques extrêmes, donc des canicules, sécheresses, incendies, mais aussi inondations, tempêtes, cyclones. Les systèmes les plus fragiles donc seront affectés avec perturbation de la vie des sols, du cycle de l'eau, globalement de la biodiversité, soit-il en océan ou bien sur la terre ferme. Des risques majeurs aussi pour les sociétés humaines, avec une dégradation des infrastructures, n'est-ce pas? Des conséquences sanitaires aussi vont se passer. L'agriculture a connu des baisses de productivité. Et les services écosystémiques tels que la pollinisation, l'irrigation, la résilience des sols, tout cela aujourd'hui est menacé à cause de ces changements du climat. Les ressources en eau sont affectées, donc avec des sécheresses hivernales, fonte des glaciers, etc. Donc les conséquences, même si on n'est pas d'accord sur les changements climatiques, en tout cas, nous vivons des phénomènes qui sont quand même très, très particuliers. Donc le GIEC identifie plusieurs points de basculement aussi qui pourraient se déclencher à partir de certains seuils de réchauffement. N'est-ce pas, le fameux 1 plus 5 degrés,
Et ça sera catastrophique si on atteint 2 degrés. Vivement que ça soit ainsi parce que de plus en plus, on pense ne pas être à 1,5 par rapport donc aux premiers délais qui ont été indiqués pour l'atténuation ou la baisse d'émissions de gaz à effet de serre pour contenir les températures à des niveaux acceptables. Alors, le contexte africain, évidemment, le changement climatique, donc c'est un phénomène mondial et il n'y a pas un point du globe qui échappe. En Afrique, cette courbe nous montre justement l'augmentation des températures de l'air en degrés Celsius par rapport à la moyenne de 81 à 2010, n'est-ce pas? Ça, c'est une courbe de l'OIM, Service météorologique du Royaume-Uni. Et tout ce qu'il faut retenir, c'est que entre 1900 et 2020, nous avons ici une augmentation de la température en Afrique selon les différents scénarios ici, donc étudiés jusqu'à au modèle ADCRUS. Donc, tout est la courbe montre une augmentation continue et jusqu'en 2020, où encore nous avons une preuve que c'est les activités humaines qui augmentent l'augmentation des gaz à effet de serre et au-delà, donc l'augmentation de la température et la variabilité climatique ou la variabilité des facteurs climatiques. Et en Afrique, voilà aussi les conséquences. Nous avons ici une photo de la rive desséchée du Nil Blanc à Khartoum. Donc, les écosystèmes sont bien éprouvés à cause des changements climatiques. Nous avons aussi une courbe qui montre les grandes menaces, n'est-ce pas, dues au changement climatique en Afrique, telles que les inondations. Je pense que c'est la plus grande menace. La sécheresse, l'augmentation de température, parce qu'à un certain niveau de température, donc tous les êtres vivants, végétaux et animaux, peuvent avoir des difficultés. Donc, les changements de participation de précipitation, le niveau de la mer, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est en anglais, hein, mais voilà les différentes problématiques que l'inondation, que le changement climatique crée en Afrique en termes de niveau d'importance. Et on voit en haut les inondations, la sécheresse et l'augmentation de température qui sont très, très élevées. Et le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement signale qu'un réchauffement d'environ de 2 degrés entraîne une réduction de 10% du rendement agricole total en Afrique subsaharienne. Donc, si nous n'avons pas, si le 1,5 degré est dépassé, ça serait une menace réelle pour la production agricole en Afrique et ça pourrait atteindre 15 à 20% si nous dépassons justement ce point 1,5. Et cela donc va avoir comme impact la baisse de la production du blé jusqu'à 17%, 5% pour le maïs, 15% pour le sorgho et 10% pour le mil. Donc, c'est des conséquences lourdes qui pourraient entraîner une instabilité sociale. N'est-ce pas? L'insécurité alimentaire, non, évidemment, a des impacts sociaux. Et déjà en 2007 et 2008, plusieurs pays avaient connu des émeutes en réaction à une flambée des prix des produits alimentaires. N'est-ce pas? On cite le cas de la Mozambique qui contestait la hausse de 25% du prix du blé. Et cette instabilité sociale aussi va se manifester à cause de l'augmentation des prix du pain, n'est-ce pas, qui a provoqué des violences, des pillages, des incendies. Nous avons aussi des inondations et des problèmes urbains, la santé publique, que nous maîtrisons ici avec donc, des inondations qui perturbent les habitations, donc l'habitat, mais aussi le transport urbain. Et tout cela, évidemment, va avoir des problèmes au niveau de la santé publique. Mais ces changements climatiques et ces impacts très négatifs sur les écosystèmes naturels comme les agrosystèmes se passent en Afrique dans un contexte particulier parce que l'Afrique est connue pour avoir des gaps en termes de capacité économique et financière. L'Afrique est connue pour avoir des gaps en termes de capacité scientifique et technologique.
des capacités institutionnelles même, mais aussi des gaps en termes de capacités de gouvernance. Et voilà surtout ce qui fonde la vulnérabilité de l'Afrique face au changement climatique. Parce que ces catastrophes qui arrivent dans ces contextes de gap, effectivement, aura des conséquences beaucoup plus lourdes. Mais globalement, dans le monde, il y a eu donc une réaction de la communauté internationale qui, dès le début de ces manifestations, ont mis en place la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Et pour revenir à notre sujet, cette Convention cadre a jugé nécessaire de mettre en place des outils de financement pour lutter contre les changements climatiques, parce que ne serait-ce pour l'Afrique, il faudrait bien s'adapter. Et ailleurs maintenant, hein, parce que l'adaptation, je pense, va concerner aujourd'hui tout le monde, au moment où la France est en train d'élaborer son plan d'adaptation. Alors que à la COP de Paris, il a été surtout institué l'élaboration des plans nationaux d'adaptation pour les pays les moins avancés, qui avaient comme urgence la question de l'adaptation. Mais aujourd'hui, même les pays développés devront élaborer des plans nationaux d'adaptation. Mais pour revenir donc à ce financement ou bien à cette prise en charge du climat, des conséquences du climat par la communauté internationale, donc des études de financement ont été mises en place et l'architecture se résume comme ainsi. Nous avons donc les mécanismes liés à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais aussi il y a d'autres mécanismes qui sont non liés à la Convention, mais qui sont mis en place à travers les mécanismes bilatéraux et multilatéraux, parce que le climat aujourd'hui est devenu une problématique donc horizontale. Ce n'est pas seulement dans le cadre de la Convention que, que ce climat est pris en charge et adressé, mais d'autres acteurs mondiaux aussi sont sur la question du climat, sauf les climato-sceptiques, bien sûr. Et pour les conventions, pour la convention cadre, les mécanismes qui sont connus sont les trois: le fonds vert pour le climat, le fonds d'adaptation et le fonds pour l'environnement mondial. On va juste parler du fonds vert climat, comme ça a été l'objet de notre présentation. Et en résumé, voilà donc les domaines d'impact stratégique du fonds vert, donc les domaines pour lesquels un projet peut être soumis pour le fonds vert. Il y a d'abord la production et l'accès à l'énergie, nous avons le transport, l'agriculture, la foresterie et autres utilisations des terres, construction de villes, d'industries et d'appareils, infrastructures et bâti et environnement bâti, écosystèmes et services écosystémiques, les modes de subsistance des personnes et des communautés, santé, sécurité alimentaire, hydrique. Donc voilà les 8 domaines, n'est-ce pas, pour lesquels le fonds vert peut être mobilisé. Ici, il y a les domaines qui sont pour la réduction des émissions et les autres domaines qui sont pour l'augmentation de la résilience. Donc, les 4 qui sont au sommet, ça adresse à l'atténuation. Et ceux qui sont en bas, les 4, c'est pour augmenter la résilience, n'est-ce pas, des communautés et des écosystèmes. Donc, pour accéder au fonds vert, voilà le dispositif qui a été mis en place par la communauté internationale. L'étape 1, c'est qu'il faudrait que le pays établisse une AND et prépare le programme pays. L'AND, c'est l'autorité nationale désignée qui est assurée par l'État au Sénégal. Pour être concret, c'est le ministère de l'Environnement, donc qui est l'autorité nationale désignée à travers la DEC, qui donc joue le rôle d'interface avec le fonds vert climat. Donc, c'est l'intermédiaire de tout acteur qui veut intervenir, qui veut déposer un projet au niveau du fonds vert climat. C'est l'AND à qui il faut s'adresser. Et justement, il faudrait que le Sénégal ou n'importe quel pays prépare un programme pays. Et ce programme pays doit être en phase avec ce que le porteur du projet devra préparer. Donc, l'AND a un programme pays qui cadre l'ensemble des besoins d'adaptation au changement climatique ou bien d'atténuation. L'étape 2, c'est donc nommer une ou des entités nationales accréditées pour assurer l'accès aux ressources. L'AND, c'est l'État, il n'y a pas de problème. Dès qu'on est membre des parties, la conférence des parties, quand on est dedans, donc l'AND et le programme pays reste quelque chose de
plus facile. Mais il faudrait que des entités nationales soient aussi accréditées pour assurer l'accès aux ressources. Donc, on va y arriver, c'est des structures techniques qui devront encadrer les porteurs de projets auprès du fonds vert, effectivement, sous l'autorité de l'AND. Et il y a trois modèles maintenant d'accès principal. L'accès international via une entité internationale accréditée. Évidemment, au Sénégal, on peut déposer un projet sous l'accompagnement technique d'une entité nationale accréditée, mais aussi, on peut avoir des projets, et c'est le cas au Sénégal, l'essentiel des projets mis en œuvre au Sénégal du Fonds vert sont portés par des entités accréditées internationales. Il y a aussi l'accès direct via une entité nationale accréditée, pas d'intermédiaire. Après, il y a maintenant l'accès direct amélioré. Donc, l'entité nationale accréditée est autorisée locale responsable. C'est possible qu'effectivement, nous ayons des formes beaucoup plus simplifiées. Donc, quatre fonctions primordiales, c'est la soumission de projets, programmes au fonds vert, alignés avec les politiques de financement du fonds vert. Évidemment, comme tout bailleur, du développement, le projet doit être en phase avec les priorités que le bailleur a mises en place dans le cadre de son financement. Mais comme je disais aussi, quand on doit déposer un projet du fonds vert, il faudrait que les autorités nationales valident ce projet par rapport à leur priorité nationale du développement et en matière de changement climatique. Le projet qu'une entité locale ou nationale déposera auprès du fonds vert pour être mise en œuvre au Sénégal doit être conforme aux priorités du gouvernement du Sénégal en matière de changement climatique. Supervision et gestion de projets programmes en rapport avec le Fonds vert climat, mais avec l'intermédiaire, encore une fois, de l'entité nationale accréditée. Déployer des instruments financiers dans les limites de l'accréditation. Mobiliser le secteur privé pour les engager à investir dans les activités financées par le Fonds vert climat. Et nous avons ici. Après l'accréditation, une entité accréditée peut soumettre des propositions de projets et de programmes de financement. Donc, une fois que l'entité est accréditée, c'est à elle seule qu'il est permis de déposer un projet. Quand une collectivité territoriale porte un projet, après l'élaboration, la collectivité ou bien l'ONG ne peut pas déposer le projet directement auprès du fonds vert. C'est l'entité accréditée qui dépose le projet. Donc, ces dernières aussi doivent obtenir l'avis de non-objection de l'AND. Ça veut dire quoi? Lorsque une entité donc élabore un projet, ce projet est déposé par l'entité accréditée. Mais avant que ce dépôt se fasse, il faudrait que l'autorité nationale désignée donc donne son avis de non-objection. Je disais tout à l'heure, l'avis de non-objection est dépendant de la conformité du projet aux priorités nationales. Si le projet proposé par le porteur n'est pas conforme aux priorités nationales du pays, l'AND ne va pas donner son avis de non-objection. Et c'est seulement après cet avis de non-objection que l'entité accréditée pourra maintenant déposer le projet auprès du fonds vert. Les propositions de financement seront évaluées en fonction de six critères de financement qui sont ici. Donc, il y a la soumission de la note conceptuelle. Donc, la note conceptuelle doit être conforme au modèle simplifié, examen environnemental et social. Il y a des éléments qui sont. Excusez-moi. Ça, c'est les six critères que vous voyez ici en diagramme, qui sont donc vérifiés par les différentes parties prenantes. Mais ce que vous voyez ici, qui correspond à la SAP, c'est l'approche simplifiée du Fonds vert climat, d'ailleurs qui est beaucoup plus accessible aux collectivités territoriales, où nous avons donc une note conceptuelle à élaborer et à soumettre, mais qui doit être en phase avec les conditions environnementales et sociales qu'exige le Fonds vert. Après, nous avons un examen, n'est-ce pas, de la proposition avec tous les documents justificatifs. Et ça, c'est d'abord au niveau local, élaboration de la proposition et ajout des documents justificatifs. Et le fonds vert va évaluer pour voir si
le projet est conforme par rapport aux différents critères et suivra l'approbation du conseil d'administration. Et après l'approbation, nous avons maintenant le processus post-approbation qui va définir les conditions financières simplifiées et la mise en œuvre. Mais avant d'y arriver, je voudrais revenir sur, les six critères à remplir sur les six étapes, n'est-ce pas, pour déposer un projet au fonds vert. Au niveau 1, donc, nous avons la proposition qui est la proposition générée. Après, nous avons la note conceptuelle. Nous avons la soumission. Il y a l'analyse selon les critères. Nous avons donc le board qui va donc valider le projet ou le rejeter. Maintenant, il y a les arrangements légaux pour la mise en œuvre. Et la taille des projets éligibles au niveau du fonds vert sont les suivants. Nous avons les projets inférieurs à 10 millions de dollars qu'on appelle les projets SAP que j'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est l'approche simplifiée du fonds vert qui a beaucoup moins d'exigences par rapport aux autres. Et nous avons les projets S, donc les petits, qui sont entre 10 et 50 millions de dollars qui nécessitent beaucoup plus de conditionnalité est donc beaucoup plus difficile en termes d'accessibilité pour les collectivités territoriales. Nous avons les moyens et nous avons les grands. Donc, c'est les différents intervalles d'enveloppe pour les différents projets. Et selon donc l'enveloppe qui est ciblée, nous avons des critères, des conditions d'élaboration du projet qui sont plus ou moins difficiles ou différents. Ici, les six critères, donc ici, du projet à déposer au fonds vert, c'est quel est le potentiel d'impact du projet? Est-ce que le projet proposé a un impact fort qui est évalué par rapport à l'enveloppe mobilisée? Ils ont le critère d'évaluation de l'impact par rapport à l'enveloppe du projet, mais il faut que cet impact soit quelque chose de réel et de pertinent par rapport au financement du projet. Mais aussi, est-ce que le projet a un potentiel changement de paradigme, donc qui permettrait désormais, malgré le changement climatique, vraiment un changement de paradigme qui puisse surmonter les conséquences négatives de ces impacts du changement climatique. Potentiel développement durable. Est-ce que les résultats du projet aussi vont entraîner un développement durable parce que des résultats peuvent être acquis, mais qui ne seraient pas durables là aussi. Comme tout projet, même les projets classiques de développement visent à avoir des résultats qui soient dans la durabilité. Autrement dit, si ce n'est pas vérifié, c'est un financement plus ou moins perdu. Mais aussi, les besoins du bénéficiaire. Donc, il faudrait que le projet soit en phase avec les besoins des bénéficiaires, n'est-ce pas? Il faudrait que l'appropriation soit faite par les pays ou par le pays, évidemment. Lorsque, peut-être même déjà en amont, est-ce que l'AND voit du projet des éléments de synergie, n'est-ce pas, de convergence par rapport à leur objectif de développement pour être accepté? Efficience et efficacité, encore une fois, c'est un critère classique dans le cadre des projets de développement. Il est toujours attendu que le financement d'un projet soit efficient pour justifier sa mobilisation. L'expérience de la région de FATIC maintenant par rapport à l'accès au fonds vert climat, on a eu cette chance grâce à la décision des pays les moins avancés ou bien à l'injonction de la communauté internationale pour les pays les moins avancés d'élaborer des plans nationaux d'adaptation. Donc à la COP21. Et après, dans le cadre de la coopération bilatérale entre le gouvernement allemand et le Sénégal, donc il a été signé une convention pour que justement l'Allemagne appuie le Sénégal dans le cadre du processus d'élaboration des plans nationaux d'adaptation. Ce projet
rentre dans le cadre de la composante 3 du GICIF, qui est la facilitation de l'accès au financement de mesures d'adaptation prioritaire. C'est un projet national, mais qui était exécuté dans la région de Fatick. Et si les territoires que nous sommes, l'ARD principalement, en tant que bras technique des collectivités territoriales, si nous avons eu la chance donc, de vivre cette expérience de dépôt de projet auprès du Fonds vert, c'est parce que ce projet a été territorialisé, je vais emprunter ce terme très utilisé au Sénégal, parce que la définition que j'en donne, c'est que ce n'est pas une implication seulement, mais la GIZ a voulu faire des territoires de l'ARD, justement, l'acteur central du processus du pass pénal, qui a donc d'abord connu une phase d'étude de vulnérabilité de la région de Fatick avant d'en venir à l'élaboration de la note conceptuelle qui a été déposée au Fonds vert. Donc, l'ARD a été désignée pour mobiliser, coordonner l'ensemble des acteurs territoriaux pour une participation effective, autant pour l'étude de la vulnérabilité et autant pour l'élaboration de la fiche, de la note conceptuelle de demande de financement au Fonds vert. Et il fallait aussi, et il a été allié, je dois dire, une participation citoyenne effective, mais aussi avec l'ensemble des instituts de recherche du Sénégal, les universités, les instituts de recherche, beaucoup d'écoles, donc, et même nous avons eu des cabinets de recherche qui ont été donc mobilisés tous pour chacun apporte sa participation scientifique ou juste communauté de base. Chacun a eu à amener sa partition et je pense que ça a été le point fort de ce projet qui a été mis en œuvre par la GIZ au niveau de la région de Fatick. Alors, comment nous avons élaboré ce projet pour le Fonds vert? Après l'étude de vulnérabilité de la région de Fatick, qui est en diagnostic, n'est-ce pas? Et c'est important, au niveau des projets du Fonds vert, la chose la plus difficile ou le défi le plus important, à mon avis, c'est que dans le projet, dans l'acte conceptuel et dans le développement du projet, le Fonds vert exige avec au niveau très, très élevé, la preuve de la vulnérabilité du territoire du projet au changement climatique. Et notre chance, c'est que cette étude de vulnérabilité qui a été faite avec donc, des universités, des instituts de recherche, mais aussi avec les populations locales, n'a pas manqué, n'est-ce pas, de processus de preuve, de méthodologie scientifique pour prouver que, effectivement, les secteurs adressés étaient bien vulnérables. Mais, d'ores et déjà, ce que je retiens de mon expérience au niveau du Fonds vert, c'est que le projet doit prouver de façon scientifique, de façon rigoureuse, la vulnérabilité du secteur ou du domaine pour lequel l'élaboration du projet est adressée. Et sans cette preuve de vulnérabilité au changement climatique, je pense que c'est déjà un échec dès les premiers dépôts. Donc, après que nous avons eu à faire cette étude de vulnérabilité, on a voulu rester dans l'approche participative. Nous avions dit on va organiser des concours d'idées de projets qui, à partir des résultats des études de vulnérabilité, des acteurs territoriaux nous proposent des idées de projets relatives à l'adaptation au changement climatique. Et donc, après le concours des idées, nous avons donc tenu un premier atelier d'écriture des notes conceptuelles. Ces idées de projet ont été lancées, je dois y revenir, on l'avait lancé dans les journaux de la place et tout le monde qui était intéressé avait proposé. Et donc, un comité d'évaluation s'est réuni pour identifier l'idée de projet la plus pertinente. Et après maintenant, nous avons commencé l'écriture de la note conceptuelle, n'est-ce pas? Il y a eu un atelier. On a amélioré le draft de cette note conceptuelle
Il y a un deuxième atelier de lecture des notes. On a eu une évaluation de la note par le comité technique de l'AND et l'obtention de l'ANO. Ça veut dire, après le concours d'idées et quand nous avons fini le deuxième atelier de lecture des notes conceptuelles, donc cette note a été soumise à l'autorité nationale désignée du Sénégal pour donner son ANO. Ça veut dire que là-bas, non seulement il y a un certain niveau de maturation de la note en termes de qualité par rapport aux normes du fond vert, mais aussi le contenu était en conformité avec les priorités du Sénégal en matière d'adaptation au changement climatique. Et quand on a eu l'atelier de l'ANO, donc on a après tenu le premier atelier d'échange régional semi-virtuel des partenaires financiers et de la note conceptuelle. Ça veut dire aussi que notre processus a été sous-régional parce qu'on a travaillé concomitamment et conformément aussi aux zones d'intervention du projet du PASS Ménage IZ. Il y avait le Bénin, mais aussi le Burkina Faso. Dans l'élaboration, il y avait souvent des séances de partage pour que chacun puisse tirer profit de l'expérience des autres. Ah, excusez-moi, j'ai pas suivi le bon chemin. Donc, après le deuxième atelier d'écriture de notes conceptuelles, nous avons finalisé. L'évaluation de l'ANO a été la dernière étape. Et quand nous avons fini l'ANO, naturellement, on a déposé la note au niveau du fond vert. On a eu un retour, mais je dois dire plusieurs retours. Pour tout du GFF, si la note et réponse aux commentaires, nous avons eu 3 à 4 retours, et ça, je vais y arriver tout à l'heure. Et à chaque fois, nous avons essayé d'améliorer, en tout cas de corriger, de répondre aux différentes observations, questions posées par le GCF. Mais donc, du concours d'idées, de l'élaboration de la note conceptuelle, une fois que la note a été finalisée, nous avons déposé au niveau de l'AND, n'est-ce pas, l'AND a évalué, a validé pour avoir donné son ANO. De l'ANO, nous avons déposé auprès du Fonds vert climat et le Fonds vert a fait plusieurs retours auxquels nous avons essayé de donner des réponses. Donc ça, c'est le résumé du processus. Et ici, j'ai le détail, mais je pense pour gagner du temps, on peut ne pas trop s'attarder là-dessus. Donc le lancement du concours d'idées a déployé l'adaptation au niveau de la région. Un comité technique pluridisciplinaire et multi-acteurs a évalué 12 projets sur la base des critères suivants. Les exigences du GCF, les priorités nationales en matière d'adaptation, les lacunes identifiées, les exigences. Donc, après, nous avons retenu deux idées de projet et on a essayé donc, de faire des notes conceptuelles pour ces deux projets. Mais je vais aborder la note du projet qui est SAP, donc de l'approche simplifiée du Fonds vert. Ce projet s'intitulait « Renforcement de la résilience économique des territoires ruraux dans la vallée morte du Sine au changement climatique ». On a pu avoir aussi une autre idée de projet qui était donc « Renforcement de la résilience au changement climatique des systèmes socio-écologiques dans le delta du Saloum ». Et c'était porté par la NPDI et pour le projet qui est l'agriculture. Wetlands portait le projet qui adressait le delta du Saloum. Mais nous avions surtout comme acteurs techniques principaux, évidemment les deux porteurs qui étaient la NPDI et Wetlands, mais l'ARD de Fatigue, la direction de l'agriculture et l'ADEC nous ont accompagnés sur ce process. Et ça, c'est les grandes étapes que nous avons vécues pour l'élaboration. Je pense que notre premier atelier, c'était à Grand Popo au Bénin. Après Bénin, on est revenu à Dakar pour élaborer cette note. En résumé, ça c'était un long processus l'élaboration de la note conceptuelle. Et on a dû mobiliser pour nous, et ça aussi c'est un point fort. S'il n'y avait pas la GIZ et le projet PASS-FENA qui était en cours et qui nous accompagnait, peut-être on n'aurait jamais pu mobiliser un expert international et un expert national pour accompagner la note conceptuelle. Ça veut dire, pour élaborer une note conceptuelle au fond vert, il est nécessaire d'avoir des experts habilités à faire un tel travail. Et la GIZ nous avait trouvé deux experts qui ont accompagné l'ensemble du processus
d'élaboration de la note conceptuelle. Donc, la question des ressources humaines, la question du renforcement de capacité revient ici pour avoir des experts capables de faire le travail conformément aux exigences du JCF. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que l'élaboration a été concomitante avec le Bénin et le Burkina Faso. Et ça a permis donc souvent de partager des expériences entre porteurs de projets. Nous avons collaboré évidemment avec l'AND et l'entité accréditée. Je dois préciser donc l'AND, c'est connu, c'est l'État, c'est le ministère de l'Environnement à travers la DEC. Et l'entité accréditée au Sénégal, c'est le CSE. Et quand nous commencions ce projet, la seule entité nationale accréditée au Sénégal était le Centre de suivi écologique, seulement le CSE. On a pu donc faire des renforcements de capacité sur les exigences du JCF et la revue entre pairs. Alors, dans cette proposition de notre conceptuel aussi, on a organisé des groupes de travail. C'est pour dire que l'ARD, avec l'ensemble des collectivités territoriales, ne pourrait faire un tel processus parce que ces groupes de travail étaient composés de services techniques nationaux et régionaux, mais surtout aussi de personnes ressources qui ne sont pas forcément disponibles au niveau d'une collectivité territoriale ou bien au niveau même de la région. Et encore une fois, c'est dans le cadre du projet qu'on a pu organiser ces différents groupes de travail qui ont accompagné l'élaboration des notes conceptuelles. Et en résumé, les groupes de travail donc pour le développement et la finalisation de la proposition financière du projet agriculture, parce que le projet relatif au delta du Saloum était évalué vers 50 millions de dollars, donc c'est un projet complexe, c'était pas un projet qui puisse être soumis dans le cadre de l'approche simplifiée. N'empêche, quand même, on nous a accompagnés toujours avec des consultants, avec des cabinets pour faire l'étude de ce projet. Mais le projet qui est arrivé au fond vert, c'est le projet simplifié et c'est ça qu'on est en train de suivre. Les groupes de travail ont permis donc de finaliser la proposition financière. Nous avons pu aussi faire des révisions, considérations des études de faisabilité complémentaires, contribution et préparation aux idées d'écriture de l'APF, organisation des consultations locales avec les services techniques. Il y avait des ateliers au niveau national, mais aussi il y avait toujours au niveau local où nos accompagnateurs revenaient pour toujours demander l'avis de nos populations et des acteurs territoriaux. Alors, juste un point sur l'accompagnement des autorités. Quand je parle ici autorité, c'est d'abord l'entité accréditée qui est le CSE, je l'ai déjà dit, qui a été impliquée dès la conception des drafts de notre conceptuel et de la proposition de financement. Et c'est à l'entité accréditée d'assurer le contrôle parce que le CSE ou l'entité accréditée endosse le projet avant le dépôt. S'il y a une mauvaise qualité, je peux dire que l'entité accréditée est responsable devant le fonds vert. Donc, elle assure une qualité acceptable du projet avant son dépôt. Donc, ils ont participé aux différents ateliers organisés, mais naturellement, l'AND est là pour encadrer tout ce qui est aussi proposition de projet. Et tous ces deux nous servent d'interface auprès du JCF. Donc, la soumission, je l'ai dit, c'est l'entité accréditée qui peut soumettre. Les différentes révisions aussi ont vu l'appui de ces acteurs nationaux. Mais surtout aussi, j'ai la contribution de son expertise pour réaliser des études de faisabilité. Exemple, c'est au dernier moment, le projet passe maintenant de la GID était terminé. Et donc, on n'avait plus ce projet qui nous accompagnait au jour le jour. Et c'est l'entité accréditée qui a accompagné les études de faisabilité. Alors, mais le projet n'est pas arrivé, n'est pas encore financé, parce que dans la présentation, on parle de projet, d'excellence de projet financé à succès. Ce projet, comme je l'ai montré tout à l'heure, a été déposé au fonds vert. Nous avons eu beaucoup de retours, nous les avons corrigés avec l'entité accréditée. Et aujourd'hui, il nous est dit que nous sommes en quatrième position parmi les projets portés par l'entité accréditée sénégalaise auprès du fonds vert.
Ce qui peut poser problème, c'est que le premier projet sénégalais porté par cette entité accréditée, qui est presque en phase de finalisation pour être validée, a duré 7 ans. Donc, ce processus, nous l'avons fait il y a de cela 3 ans maintenant, c'est depuis 2019 qu'on a fini. Certainement, si nous devons attendre encore 4 ans, je pense les données techniques, les données socio-territoriales, les données financières ne seront plus réelles, ne seront plus de mise par rapport au contexte. Ça veut dire que le temps est très long par rapport au financement d'un projet du Fonds vert. Mais je vais revenir sur ça et dire que par rapport aux limites, au-delà de ces questions de temps, il faudrait que les territoires s'organisent pour pouvoir porter des projets du Fonds vert. Parce que le changement climatique, en termes de projets d'adaptation, une commune, voire un département, pourrait être très insuffisant pour porter l'action qui adresse l'adaptation ou l'atténuation au climat. L'insuffisance de l'expertise locale expliquée dans le changement climatique, même, à mon avis, l'expertise, même au niveau national, poserait problème en termes de capacité d'accompagnement des porteurs de projets. Et à mon avis, la difficulté qui a été la plus visible d'après l'expérience que j'ai vécue, c'était au niveau des entités accréditées. L'ensemble des projets qui s'exécutent au Sénégal, je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas qui sont financés par le Fonds vert, sont portés par des entités accréditées internationales. Le seul projet qui s'exécute et qui est basé ici à l'ARD, c'est un projet, c'est vrai, porté par des entités sénégalaises, mais en ce temps, il n'y avait pas encore d'entité accréditée. C'est le CSE même, le RADI, l'INP et l'UICN qui portent ce projet. Mais c'était le premier financement. Mais depuis que la mise en place des entités accréditées a été décidée, on n'a pas de projet porté par une entité accréditée sénégalaise financée par le Fonds vert. Pourquoi les autres entités accréditées? Parce que nous avons beaucoup de projets de changement climatique en cours au Sénégal. Mais pourquoi celles-là qui sont internationales sont en tout cas mieux dotées que les nôtres ou bien la nôtre? Nous avons vécu beaucoup de difficultés, par exemple, dans le cadre des retours du Fonds vert. Parce que nous avons eu beaucoup de retours qui nous semblaient déjà pris en charge. Il se trouve que quand vous déposez un projet au Fonds vert, le temps qu'on vous fasse le retour en termes de questionnement et d'observation à approfondir, avant de répondre, vous avez 1 000 chances que l'équipe ou l'évaluateur du projet initial ne soit plus sur place et vous êtes évalué par un autre technicien, un autre expert. Ça veut dire quoi? Des choses qui ont été déjà prises en charge sont reposées, mais d'une autre manière. Et on a trop souffert de ces experts qui changeaient entre 2 envois du projet. Et ma conviction aussi, c'est que aussi, nous n'avons, j'ai tout trop sous-estimé l'accompagnement, le portage, la défense du projet de l'entité accréditée devant le Fonds vert en termes de réponse. Parce que lorsqu'on pose une question sur la pertinence de l'action du projet, alors que l'action du projet est évaluée selon les priorités du pays, c'est l'AND qui donne son. Dès que nous avons l'avis de nos objections, à mon avis, l'entité accréditée et au plus l'AND devrait bien pouvoir répondre au Fonds vert sur la pertinence, sur le choix du projet qui est en phase avec les priorités nationales. Donc, au-delà des questions des tailles des territoires pour constituer des territoires de projets pertinents, au-delà de la question de l'expertise en changement climatique qui peut-être n'est pas très disponible, les limites de la langue aussi, il faut le dire, n'est-ce pas? Tout est en anglais, nous sommes des francophones, malheureusement, c'est ça la réalité mondiale, on devrait nous mettre à jour. Et donc, la chose
que j'ai noté le plus, c'est à un certain moment, je n'ai pas senti une présence forte en interface suffisante entre nous, porteurs de projet, et le GCF. Et malheureusement, c'est ça la règle, le porteur du projet n'est pas en contact direct avec le Fonds vert climat. Nous avons l'entité accréditée, nous avons aussi l'AND. Et moi, j'ose dire que la question de la gouvernance, de façon générale, se pose dans le cadre de l'entité accréditée pour une efficacité face au fonds vert, pour mieux porter, pour mieux défendre les projets que les porteurs de projets sénégalais auront remis. Mais il y a aussi une opinion qui est beaucoup plus répandue, c'est que est-ce que le Fonds vert, est-ce que la communauté internationale sont vraiment motivés à décaisser les financements? N'est-ce pas? Parce que le temps d'évaluation des projets est tellement long, les exigences sont tellement floues que, en tout cas, beaucoup d'acteurs pensent que c'est tout simplement ils ne veulent pas décaisser pour financer l'adaptation et l'atténuation dans le cadre du Fonds vert. Alors, en termes de recommandations, ce que nous pensons, c'est qu'il faudrait certainement les projets élaborés pour adresser l'adaptation ou l'atténuation, il faudrait que ça soit dans des projets, dans des territoires de projets pertinents. N'est-ce pas? Nous sommes bien dans le contexte du climat. Il y a des territoires qui pourraient être, qui doivent être, qui pourraient porter correctement un projet de climat parce que le territoire du climat, peut-être n'a même pas de territoire, et une commune très petite, un département très petit, ou bien selon la problématique du climat qui est adressée, nécessite un territoire pertinent. Et par exemple, l'intercommunalité pourrait être une solution pour identifier des projets qui puissent avoir un espace efficient en termes d'action, d'adaptation ou d'atténuation. Évidemment, il faudrait un renforcement des capacités des acteurs pour que tout ce processus technique, mais aussi tout le processus de gouvernance puisse être maîtrisé afin d'améliorer non seulement la vitesse de l'élaboration des projets, mais aussi de mieux les pouvoir défendre auprès des bailleurs. Ce renforcement de capacité va effectivement s'adresser aussi à l'entité accréditée, qui est l'interface avec le fonds vert, qui annonce le projet. Et si l'encadrement, si l'accompagnement technique pose problème, évidemment, le porteur de projet, qui est encore loin d'être outillé techniquement, va avoir des difficultés. Mais ces porteurs de projet aussi devraient être renforcés pour que la compréhension et l'élaboration soient beaucoup plus facilitées. Et c'est mon idée, l'AND devrait revoir le profil des entités nationales accréditées. Depuis lors, il y a beaucoup d'entités qui se positionnent pour être accréditées, mais je pense qu'on devrait revoir les profils administratifs, les profils techniques, les statuts pour que l'accompagnement des porteurs de projets soit beaucoup plus efficient. Mais l'autre recommandation, qui est peut-être vraiment un plaidoyer de la communauté internationale, il faudrait que le financement du fonds vert soit beaucoup plus effectif, n'est-ce pas? Il faudrait que ce fonds qui est dédié, qui a été déclaré partout, soit carrément mobilisé afin que l'atténuation, l'adaptation, n'est-ce pas, au changement climatique soit financée et que nous marchions vers justement tout ce qu'on attend en termes d'adaptation, qui est d'ailleurs très urgente, mais aussi l'atténuation au changement climatique. Donc, merci, mesdames, messieurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous, tout en vous demandant de m'excuser pour la qualité de certaines diapos qui ne seraient pas très nettes. Je vous remercie. Un grand merci. Je pense que tout le monde est unanime à dire merci. Merci à toi, Directeur Didiac, pour déjà la qualité. Hein. Je pense que c'est une excellente qualité auquel nous avons droit ce matin de la présentation. Mais la générosité
avec laquelle vous avez fait cette communication, qui est largement revenue d'abord, avant même le contexte sur les changements, les éléments conceptuels, parce que aussi, c'était une belle occasion pour permettre à ceux qui sont sur la plateforme encore de se familiariser avec ces concepts de changement climatique, mais aussi surtout les éléments qui sont aujourd'hui en cause, en cours plutôt sur les causes, sur les conséquences, sur l'effet des pressions des climatocides et les conséquences surtout de ces changements climatiques. Le contexte a été bien visité, surtout africain, ce qui nous a permis de comprendre un peu les éléments en lien avec les activités humaines et les causes des conséquences humaines sur ce changement climatique. Au-delà des contextes, le mécanisme de financement a été très clair, bien révisité. Les approches et bonnes pratiques de réponse et de succès, même si, comme vous l'avez dit, pour le cas pratique de fatigue, il y a eu des avancées, surtout avec les notes conceptuelles et l'accompagnement de la GIZ qui a été extrêmement intéressant, et aussi les difficultés qui ont été traversées durant toutes les étapes que vous aviez énumérées ici, qui montrent le véritable parcours du combattant aujourd'hui, où il faudra se préparer si on veut aller vers ces fonds verts climat-là aujourd'hui. Et aussi, comme tu l'as si bien dit, les exemples de projets financés. Mais ce qui a été le plus intéressant, c'est l'analyse des limites et défis, à mon avis, et les recommandations qui ont été formulées. Je ne vais pas revenir sur tous ces éléments que tu as eu à partager, mais ça nécessite aujourd'hui de mener la réflexion. Et c'est une bonne opportunité ici, qui nous est tous, qui nous est tous offerte aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi et avec l'ensemble des experts qui sont sur la plateforme sur ces difficultés. Il y a des gens qui ont l'habitude de taquiner pour dire que même si on parle de fonds vert climat aujourd'hui, l'accès n'est pas vert, l'accès est rouge encore pour la plupart des collectivités et des acteurs qui veulent aller vers ces fonds-là. Et je pense que les recommandations que tu as eues à donner sont extrêmement pertinentes aujourd'hui pour pousser la réflexion et voir entre collectivités territoriales sénégalaises et pourquoi même africaines, parce que parmi ces recommandations, tu parlais de l'intercommunalité des traits et de territoires de projets pertinents, mais moi, je le vois même au-delà de nos frontières, hein. Je pense qu'aujourd'hui, les effets du climat, du changement climatique n'ont pas de frontières et nous le vivons tous, hein, au travers de nos différentes sous-régions. Et à mon avis aussi, il serait pertinent de réfléchir, pourquoi pas, à des projets transversaux qui peut-être traversent même nos frontières et nos pays. D'où l'importance même à l'intérieur du pays de pouvoir se souder et être très solidaire pour pouvoir porter ces projets-là. Donc, peut-être autant de réflexions que tu as eu à lancer, hein, qui sont là et qui nous permettent, à mon avis, d'avoir encore quelques minutes, hein, au moins plus d'une trentaine ou même 40 minutes de discussion avant 12 heures, et pouvoir encore échanger sur cette problématique-là. Je voulais inviter ceux qui voudraient prendre la parole, de lever la main, comme le fait Cheikh Tidiane Wade, qui est ici, le premier à lever la main sur la plateforme. Donc, il suffit juste d'aller vers en bas, là où il y a réaction, et pouvoir cliquer sur lever la main, pour que je puisse avoir la possibilité de passer la parole aux différents intervenants qui sont sur la plateforme. En tout cas, directeur, encore une fois, merci beaucoup et félicitations pour cette brillante présentation. Et nous allons peut-être à présent aller vers les participants et peut-être revenir avant la fin vers vous s'il y a des interpellations ou des questions par rapport à votre expérience. Merci à vous. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Cheikh Tidiane Wade. Docteur, la parole est à vous, professeur. Merci beaucoup, mon cher ami et frère Cissé. Merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok, très bien.
Je remercie le directeur Jack, hein, mon ami, mon frère avec qui on a vraiment beaucoup partagé sur ces questions dans le cadre de la plateforme nationale sur l'intégration des dimensions transversales dans la planification comme le changement climatique. Et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et nous le remercions pour ce cours magistral. C'est vraiment un cours magistral. Il est revenu sur beaucoup d'aspects avec des recommandations très claires. Alors là, je pense que dans le cadre aussi du fonds vert, si tu l'as souligné tout à l'heure, les gens ont tendance à dire que oui, les fonds verts climat existent, mais il n'y a pas de feu vert pour y accéder, pour parler surtout vraiment des lourdeurs, des nombreuses contraintes. Alors, au niveau de IED Afrique, on avait mis en place un projet qui s'appelait décentralisation des fonds climat, qui était un projet de recherche-action et de plaidoyer qui appuyait les communautés ou bien les populations de la région de Kaffrine et de Mopti au Mali afin qu'elles deviennent plus résilientes au changement climatique grâce à des fonds d'adaptation localement contrôlés. Pourquoi localement contrôlés? L'expérience que nous avons eue de ce projet a montré que les communautés locales sont souvent les mieux placées pour prendre des décisions quant aux mesures de résilience qui leur seraient plus bénéfiques. Mais on constate aujourd'hui, M. Fay est revenu là-dessus durant sa présentation, et on constate ça aussi. Nous, on travaille avec Ismaël Sow, la direction de l'élevage dans le CSE, dans le cadre d'un projet d'adaptation sur le fonds vert climat. Mais il y avait beaucoup de lourdeurs, beaucoup d'allers-retours, et beaucoup de changements, même de comment dire encore, pas de partenaires, mais d'interlocuteurs, ce qui posait souvent problème. Et on constate que le financement international aujourd'hui qui est dédié à l'adaptation, dont les fonds verts, hein, continue d'être versé aux autorités nationales et aux organisations non gouvernementales. Oui, les ONG en bénéficient, les organisations de la société civile et les communautés locales qui exercent peu de contrôle sur ces questions-là. Donc, comment faire aujourd'hui pour capitaliser toutes les expériences, toutes les contraintes, et essayer de travailler pour que ces populations locales-là, ceux qui sont au niveau des collectivités à la base, puissent être des acteurs clés. Oui, c'est des acteurs clés, mais il faut aller dans le sens vraiment de les accompagner. Les accompagner aussi ne signifie pas qu'ils vont travailler seuls, parce que nous, au niveau de IED, on travaille avec le PNDEL, on travaille avec la région, les autorités étatiques. Au niveau de la région, c'était les services techniques de l'État. Au niveau des départements, les comités des départements d'adaptation, mais aussi au niveau des collectivités, personne n'était laissé en rade, comme le veut bien les ODD. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que cette présentation aujourd'hui devrait être partagé au niveau des universités, au niveau des collectivités territoriales, parce que c'est tellement important de savoir que partout où nous allons, par exemple, moi, le plus souvent, quand je vais dans les collectivités, on nous parle d'absence de financement, d'absence. Les opportunités sont là. Pourquoi ne pas y accéder? C'est là où vraiment il faut trouver les moyens. Voilà ce que je voulais partager, mon cher Cissé. Toutes mes félicitations à Didiac et toutes mes félicitations aussi à Enda Ecopop. Je vous remercie. Merci. Merci, professeur, pour ces orientations. Je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le défi, c'est de trouver les moyens, hein, pour accéder à ces financements. Et comme tu l'as si bien dit, l'implication des communautés locales doit être extrêmement importante, mais aussi l'ensemble des parties prenantes. Je pense que pour parvenir à aller les décrocher, ces financements-là, il faudra qu'on soit dans une approche intégrée, inclusive, mais ne laisser personne en rade, comme tu l'as si bien dit. Merci à toi pour cette contribution. Nous donnons la parole à Yaram Fall. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, bonjour. C'est Yaram Fall. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Yaram Fall. Je suis la présidente du Collège des femmes du Saint-Saint. Je suis vice-présidente du Saint-Saint chargée de la pêche. Je remercie d'abord les organisateurs de sa panel, à qui je l'ai intégré grâce à un ami qui est en Espagne, qui m'a donné le lien. Je salue tout le monde qui sont présents au niveau de ce panel.
Et je remercie aussi Didiac pour cette belle présentation. Et comme l'a dit mon ami Cher aussi, c'est un cours vraiment très magistral et enrichissant à qui on a tiré beaucoup de leçons, en tout cas de ma part personnelle. Moi, mon inquiétude, c'est l'implication des acteurs de la pêche par rapport au processus d'adaptation de résilience face au changement climatique. Parce que moi, j'habite à Saint-Louis, dans la langue de Barbalie. Là, si on analyse les impacts du changement climatique fait par l'érosion côtière, on serait ahurissant, si je veux dire comme ça. Parce qu'il y a plusieurs populations qui ont quitté leur lieu d'habitation parce que la mer a tout pris. Et on les a relogés dans des conditions tellement, je ne sais pas quel qualificatif utiliser, où il n'y a ni eau, ni électricité. Des conditions très, vraiment misérables, si on peut dire comme ça. Et la dislocation de la famille Libou, comme si on peut appeler comme ça. Parce que comme vous le savez, nous, on habite au bord de la mer. Et notre activité principale, c'est la pêche. Si on voit aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas beaucoup de sardines, qui est la base principale de notre alimentation avec notre tchèboudjem, avec notre kébouketcha, qu'on ne voit plus au marché. Il y a nécessairement des effets du changement climatique sur la ressource animale. Et là, les acteurs de la pêche, si j'ose le dire, sont oubliés en quelque sorte. Parce qu'on note rarement les effets du changement climatique par rapport au secteur de la pêche. Nous, avec le CNCR, on parle des activités agro-silvopastorales et halieutiques qui touchent tous les secteurs agricoles avec grand A, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, l'élevage, les activités forestières. Parce que nous, la préservation de l'environnement nous tient beaucoup à cœur, parce que c'est l'un des piliers vraiment qui peut faire face à la résilience et l'adaptation des effets du changement climatique. Fatigue où le professeur a fait une présentation. Parce qu'on a des unions locales de la FNAJPH qui sont dans les îles du Salou. Et d'après ma dernière visite, l'île de Djifer est menacée. L'île de Djonwar est menacée, très menacée même, à qui on dit que ça va tendance à disparaître. Et ces populations-là, comme l'a bien dit Cher, ne sont pas impliquées davantage comme il le fallait. Donc, quelles sont les mesures à prendre pour vraiment qu'il y ait une synergie avec les chercheurs, les partenaires et les collectivités territoriales et même les populations concernées? Parce que ce sont les maillons faibles de cette chaîne-là. Comment faire pour les impliquer davantage sur les processus et même sur les réflexions? Et ensuite, comment inciter nos États à renforcer leur Merci. Merci beaucoup, Madame Fall, depuis Saint-Louis, du cadre national CNCF. C'est vrai que l'implication, les conséquences aujourd'hui de ces changements climatiques-là se font dans tous les contextes. Hein. Aujourd'hui, on a pris le cas de fatigue, mais le même problème aujourd'hui peut se lire à travers les espaces de Saint-Louis et le secteur de la pêche aussi, d'où l'importance de la question que tu posais. Quelles sont les mesures aujourd'hui à prendre pour qu'il y ait une synergie d'action entre les populations qui sont les principales concernées et qui subissent ces changements climatiques-là et toutes les parties prenantes qui doivent agir ensemble pour pouvoir résoudre le problème de ces changements climatiques. Donc, je pense que la question a été bien notée. Vous pouvez baisser la main, Madame Fall. Donc, nous passons à Lamien Wando. Lamien? Oui, merci beaucoup. Merci. En tout cas, moi, je remercie M. Fay. C'est bien M. Fay pour sa présentation qui a donné beaucoup d'éléments et qui permet, en tout cas, moi, je suis présidente fondatrice d'une association
Je ne suis pas collectivité territoriale, mais nous appuyons les collectivités territoriales, d'où mon intérêt pour cette réunion. Et donc, j'ai beaucoup apprécié parce que la démarche qu'ils ont suivie pourrait s'appliquer même à tout projet. Je suis évaluateur aussi de projets et programmes de développement. Et donc, cette communication au-delà du Fonds vert climat peut être vraiment utile pour tout acteur du développement qui cherche un financement. Et également, les difficultés rencontrées et sont révélatrices aussi un peu de la situation internationale. Vous savez qu'actuellement, les problèmes de la sous-région ont mis à nu une certaine réalité, qui est qu'en fait, la communauté internationale souvent donne l'impression de vouloir aider dans le discours, mais quand ça arrive l'heure de mettre la main à la poche, on ne voit plus quelqu'un. Et je pense que ça, c'est un élément fondamental qui devrait nous amener à redoubler d'efforts pour la mobilisation des ressources endogènes. Parce qu'il est vrai qu'il y a la communauté internationale, et parce que mon association a pour objectif de contribuer au développement endogène. Et nous pensons qu'au-delà des fonds extérieurs, il faut que nous mobilisons même des fonds auprès, par exemple, du secteur privé. Vous savez que dans nos pays, il y a des opérateurs économiques qui ont les moyens. Et donc, je pense qu'il faut que nous-mêmes, en termes de financement innovant, tout en utilisant les mécanismes du fonds vert qui existent, il est intéressant que nous faisons un peu des recherches sur les opportunités nationales qui existent, sous-régionales, pourquoi pas, et locales. L'autre aspect, quand il a parlé de l'implication des acteurs, je pense qu'on doit dire de manière explicite qu'on devrait impliquer les leaders de femmes et de jeunes et leurs organisations. Parce que l'ODD 5 est là pour montrer que, en fait, parce que tout ce qu'on cite comme acteur, il faut aussi, il y a l'alignement sur les politiques. Mais si les politiques, même si dans la forme, notent la prise en compte de ces deux acteurs, souvent ce n'est pas évident. Donc je voudrais proposer qu'on ajoute aux critères vraiment l'implication des femmes leaders, des jeunes leaders et de leurs organisations. Je vous remercie. Et encore félicitations à M. Faye. C'est vraiment une communication très utile qu'on peut appliquer partout. Merci. Merci, Madame Mondou. Je pense que aussi, c'est extrêmement pertinent, votre proposition. Aujourd'hui, c'est vrai, on a tous l'impression que cette réalité de la volonté politique de la communauté internationale pour lutter contre les changements climatiques doit être revue. Hein, doit être revue. Et la preuve palpable aujourd'hui, c'est cette difficulté d'accès à ces ressources dont Didac parlait tout à l'heure, parce que avec tous les efforts qui sont faits, vouloir attendre, par exemple, 7 ans pour accéder à un financement, je me demande si c'est durable tout ça. Donc, c'est bien noté aussi la proposition de mieux impliquer les leaders des femmes et des jeunes en lien surtout avec les ODD, l'ODD 5 en particulier. Ça peut être une excellente proposition pour nous permettre aussi de mieux adresser des recommandations dans ce sens. Merci pour votre proposition. Nos salutations aussi à tous les... Donc, nous allons passer à Ibassa. Oui, bonjour à tous. Et merci. Bonjour. Pour la parole. Je veux aussi remercier M. Faye pour sa brillante présentation, que j'ai suivie d'ailleurs avec grand intérêt. Alors, ma préoccupation au niveau des limites que connaissent les collectivités territoriales en termes d'expertise, en termes de moyens financiers, parce qu'on sait que chez nous au Congo, nous avons les collectivités territoriales, mais qui ont des problèmes non seulement d'expertise, mais aussi des moyens financiers, parce que les subventions de l'État ne viennent pas vraiment tout le temps. Alors, j'aimerais bien comprendre
l'expérience que nous a partagée Monsieur l'expert Faye, le rôle qu'ont joué les comités territoriaux et les organisations de la société civile, justement, qui appuient et accompagnent les communautés en matière de changement climatique. Quel a été le rôle des comités territoriaux dans ce processus-là d'élaboration de projets à déposer au Fonds climat? Et quel a été aussi le rôle joué dans ce travail-là des organisations de la société civile? Voilà mes préoccupations. Merci beaucoup pour sa brillante présentation une fois de plus et aux organisations, organisateurs OIDP et ENDA. Merci beaucoup. Merci Ibassa depuis le Congo. Merci à toi. Donc, on a bien noté la question. Quel est le rôle joué par les collectivités et les organisations de la société civile dans ce processus-là? Merci à vous pour votre participation et votre contribution. À présent, la parole est à M. Djibril Mangal. Merci, Abdoulaye, pour la parole donnée. Je remercie bien M. Djidjak Faye pour la qualité de sa présentation. On n'est pas surpris par la qualité. Donc, à chaque fois qu'on l'invite, c'est toujours la même qualité qu'il nous offre. Donc, merci, M. Faye, pour cette présentation. J'avais juste quelques éléments à partager avec vous, avec l'ensemble des participants. Actuellement, nous sommes dans un processus de développement ou bien d'atteinte des objectifs du développement durable. Et comme vous le savez très bien, les ODD ont une logique ou des logiques. Et parmi une des logiques, c'est le partenariat. Donc, c'est important de se donner la main. On est dans un écosystème de grandes entités où il faut être fort pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, il faut qu'au niveau du Sénégal, qu'il puisse avoir des plateformes. Ça existe déjà, je pense au COMNAC, je pense au COMREC. Il y a aussi des organisations de la société civile qui doivent aujourd'hui accompagner les collectivités territoriales à mieux connaître ces canevas de notes conceptuelles ou de projets à déposer au niveau du Fonds vert. Parce que il y a quelqu'un qui le disait, le fonds, il n'est pas vert, il est rouge. En tout cas, le feu est allumé. Donc, il faut y aller. On est en compétition avec les autres. Je mets le mot compétition entre guillemets. Il ne faut pas le prendre au sens propre, mais on doit y aller parce que le fond est là. On ne doit pas aujourd'hui se dire oui, c'est compliqué, donc voilà, on laisse les autres le prendre. On a les capacités de le prendre ou bien on a des experts qui peuvent nous aider à élaborer de bonnes choses béton et qu'on peut soumettre et bénéficier de ces fonds-là. Donc, le renforcement de capacités est important pour les acteurs territoriaux sur l'accès au financement climat. Donc, ces genres d'initiatives-là, de EcoPop, il faut les multiplier au niveau des communautés. Il faut qu'on en parle. Il faut que ces barrières, ces rouges-là, doivent sauter. Voir tout exister. Ça doit sauter. Il faut, parce qu'on est obligé. Le fond, il est là. Il faut consommer les ressources. L'autre élément, c'est un peu quelle est la part. Je parle d'argent. Quelle est la part allouée, si ça existe bien sûr, à l'adaptation et la part allouée à l'atténuation? Parce que si je comprends bien, les partenaires du Nord ou bien les pays du Nord sont plus dans l'atténuation. Est-ce que nous, Africains, c'est une question qui est importante et urgente? Ou c'est important, mais ce n'est pas urgent? Ce qui est important et urgent pour nous, c'est l'adaptation. C'est une question que je me pose. Parce que tu termines par la phrase qu'il fallait agir sur l'adaptation qui est très urgente et bien sûr sur l'adaptation. Donc, si j'essaie d'interpréter, ça veut dire que nous, Africains, on doit mettre plus l'accent sur l'adaptation que sur l'atténuation. C'est une question que je me pose. Merci.
Merci, Nibril, pour ces éléments de rappel sur l'importance surtout de valoriser davantage la logique de partenariat. Je pense que c'est important. C'est ce partenariat autour des collectivités qui peut aider à mieux disséminer l'information et accompagner le débat habituel, adaptation, atténuation, c'est vrai, et des positionnements aussi en fonction des contextes, en fonction des pays, en fonction aussi des intérêts, il faut le dire. Et comme tu l'as si bien dit, cela nous montre que nous sommes dans des logiques de compétition et il faut savoir se battre pour sortir son épingle du jeu. Je pense que c'est important. On reviendra peut-être tout à l'heure avec Gigac sur la part allouée à l'adaptation et l'atténuation aussi. Merci pour ta contribution. Nous allons présent passer à Boukar Diouf. Oui, merci bien, M. Cissé. Bonjour à tout le monde. Et merci aussi à Gigac donc, pour la clarté un peu de l'exposé. Ça suscite en moi quand même quelques interrogations, mais aussi une impression. L'impression, c'est que le fonds vert, en fait, n'est pas très, très disponible, en tout cas, pour les collectivités. Alors qu'ici, par exemple, sur le sujet, on avait ciblé un peu les collectivités territoriales et on aperçoit un peu une certaine difficulté, donc, dans... quand même l'octroi de ces fonds à ces collectivités de par un peu la lourdeur un peu de la procédure. Et là, l'interrogation, c'était surtout par rapport à M. Faye, mais j'aperçois aussi M. Sonko donc de l'ARD de Ziguinchor pour dire que c'est une problématique qui les interpelle directement. Et la question, c'est qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici, un peu pour alerter, ou en tout cas pour faire un plaidoyer fort par rapport un peu au fonds vert, pour qu'ils puissent voilà, un peu voir que c'était très difficile au niveau donc, de nos collectivités, surtout avec la communalisation universelle, donc de pouvoir quand même faire bénéficier à certaines communes de ces fonds, et comment faire pour lever cela. Est-ce que aussi une action a été faite, mais aussi qu'est-ce qui devrait être fait si ce n'est pas encore le cas, donc pour faire ce plaidoyer au niveau donc des instances internationales, mais aussi surtout des rencontres au niveau international, où il faudrait peut-être voilà, essayer déjà de prendre la tâche avec certains autres pays, pour pouvoir déjà parler d'une seule voix et essayer quand même de pouvoir unir nos forces et essayer quand même de, si je peux ainsi m'exprimer, tordre le bras un peu à ce fond vert pour qu'il puisse être un peu plus souple. Donc, c'était un peu ça l'interrogation. Donc, merci quand même donc, de l'occasion qui nous a été offerte pour mieux comprendre un peu surtout par rapport à ce financement. Merci. Merci Boukar pour cette intervention, surtout la question, qu'est-ce qui a été fait pour un plaidoyer auprès du fonds vert pour vraiment montrer les difficultés d'accès des collectivités et lever les contraintes. Je pense que c'est une question intéressante peut-être sur laquelle on peut revenir tout à l'heure. Madame Wandou, je vois la main levée. Est-ce que vous revenez pour une question? C'est une ancienne main. Oui, merci beaucoup. J'avais oublié un élément important. Sur les contraintes, les limites qu'il a soulevées, à savoir la langue, la barrière de la langue. Et okay. Moi, qui est que l'anglais est une barrière. Moi, je saisis toujours toutes les opportunités pour demander même aux Africains de ne pas nous laisser diviser en francophones, anglophones. Moi, j'encourage, j'ai fait l'anglais à l'université. Et je suis bilingue aujourd'hui, pas parce que j'ai une licence en anglais, mais parce que je l'ai voulu pour casser les barrières. Donc, partout où je suis, moi, j'encourage les gens à apprendre l'anglais, surtout aujourd'hui, plus qu'hier. Et c'est pour ça que l'association Negabono, depuis 2016, nous faisons des cours d'anglais aux tout petits. On commence même par les tout petits du CP1. Et cette année, on fait 2 sessions pour encourager le maximum d'enfants à s'intéresser à l'anglais, à continuer au secondaire et au supérieur pour que même au niveau de l'Afrique, on ne soit plus divisé en francophone, anglophone. Et le contexte politique actuel de la sous-région nous montre que nous avons intérêt vraiment résolument
à quitter cette division et à apprendre l'anglais, qui est vraiment une langue très importante au niveau mondial. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Merci pour ce plaidoyer. Savoir s'adapter à son contexte et les réalités du moment. La langue, la barrière de la langue, surtout l'anglais, qu'il faudra lever. Merci à vous. Vous pouvez baisser vos bras, Boukar aussi. La parole est à Adjibi. Bonjour, chers tous. Merci à toi, chef facilitateur. Et merci aussi à M. Faye. Je suis Mohamed Adjibi. J'interviens du Nigeria. Je suis béninois d'origine. Alors, la présentation a été d'une grande envergure et je voudrais aussi dire que c'est très, très important pour et nous qui sommes en train de travailler dans le secteur de l'environnement. En ce qui concerne une partie de la présentation de M. Faye qui a insisté sur et les intercommunalités, au Bénin, nous parlons d'intercommunalités quand on met ensemble plusieurs communes afin de pouvoir résoudre certains problèmes qui nous sont chers. Lorsqu'ils étaient en train de parler de l'intercommunalité, il y a aussi le fait que nous oublions les régimes politiques qui se suivent dans nos pays. En matière de décentralisation, peut-être et la façon dont le processus de décentralisation évolue au Sénégal n'est pas la même chose que ce qui se passe au Bénin, parce que par le passé, par exemple, au Bénin, c'était une élection des conseillers communaux qui permettent d'élire les maires, mais aujourd'hui, le maire est désigné par le responsable au niveau national du parti politique. Or, dans ces conditions, une idée est souvent portée par celui qui est à la tête de la commune. Donc, à tout moment, lorsqu'on sera en train de changer les personnes qui sont à la tête de nos communes, la vision ou les engagements que celui-là a fait avec certains partenaires risquent d'aller à l'eau. D'où la nécessité de revoir en partie aussi comment est-ce que, en nous mettant ensemble, même s'il y a des crises politiques qui arrivent, on pourra être en train de soutenir l'initiative qui a été déjà prise au niveau régional ou au niveau de l'intercommunalité. Je crois que M. Diouf a aussi en partie parlé de l'absence de financement. Vous voyez, lorsque les gens se mettent en intercommunalité ou ils se mettent ensemble, il y a le problème de financement, la gestion interne des ressources qui puissent permettre de faire fonctionner l'intercommunalité qui se pose. Le programme du fonds vert. De façon réelle, ce serait difficile pour de petites intercommunalités de pouvoir porter cette initiative-là. Ce que moi, je pense, c'est que, tel que M. Faye l'a dit, au niveau national, lorsqu'il y a déjà des politiques qui sont... lorsqu'il y a déjà des stratégies nationales et qu'il y a des structures qui peuvent porter ce que veulent les populations à la base, suite aux enquêtes qu'ils ont eu à faire, suite aux séances qu'ils ont eu à tenir, il serait alors normal que réellement, que les gens prennent en compte des stratégies endogènes d'adaptation au changement climatique. Parce que dans les communautés, vous voyez, les personnes, ils ont leur façon de pouvoir se défendre face au changement climatique. Or, lorsque nous commençons par écrire des projets, lorsque nous commençons par présenter les projets, parfois on aime s'écarter de ce qui est réel, ce qui est au niveau de la communauté, en voulant nous aligner à ce que le partenaire qui est en train de financer notre projet est en train de dire. Nous sommes les victimes des changements climatiques, donc il faudrait qu'on puisse voir dans quelle mesure du possible faire prouver aux autorités au niveau régional ou international que face à cette proposition d'appel à projet, il y a des initiatives que nous allons mettre en œuvre. Et si ces initiatives-là ne sont pas encore dans vos cahiers ou ne font pas encore partie de votre vision, vous pouvez les prendre en charge à partir de ce que nous avons de nos communautés à la base. Ils ont parlé aussi quelque part, la madame qui a l'ONG, j'ai oublié son nom, excusez-moi beaucoup, qui a parlé en réalité de la mobilisation endogène. Il a parlé de la mobilisation endogène, celle qui a parlé des critères de langue, bien sûr. Hein. Je reviens sur elle. Elle a très bien abordé une partie qui parle, bien sûr, du fait qu'au-delà de ce qu'on est en train de rechercher, fonds verts et tout ça là, qu'au niveau
et africains, on doit chercher à aller vers des opportunités et se soutenir par rapport à ces fléaux ou du moins à ce problème qu'est le changement, des changements climatiques. Et en dernier ressort, excusez-moi d'être très long, en dernier ressort, je dirais que Monsieur Ibassa a parlé aussi du manque d'expertise qui se trouve au niveau de nos collectivités territoriales. Je crois que ça, c'est réel. Vous allez voir que dans certaines collectivités aujourd'hui, on recrute même des consultants à titre ponctuel pour venir faire ne serait-ce un an, deux ans pour pouvoir réaliser des projets. Donc, il va falloir que les gens fassent beaucoup de formation aussi à l'endroit de nos collectivités territoriales pour que cette compétence en montage de projets puisse exister afin qu'on puisse accompagner nos communautés. Merci beaucoup. Excusez-moi encore une fois d'être si long. Merci à toi, Djibi, pour la contribution de l'Nigeria. Je pense que c'est extrêmement important ces éléments partagés, notamment sur l'importance de l'intercommunalité et surtout sur le fait de se baser sur les priorités des populations et de nos milieux locaux pour bâtir les différents projets. Ça permet de mieux les contextualiser. Je suis d'avis avec toi qu'il faudra se baser plutôt sur ces réalités-là, ce qui nous permet de sortir des chantiers battus et de porter nos initiatives en se basant sur les innovations et les réalités locales. Je pense que c'est extrêmement important en termes de contribution. Il nous reste deux intervenants, Madame Adjaratou Lakhoun, et ensuite la parole à Ndiaye pour terminer. Bonjour à tous. Merci. Cissé, merci Abdoulaye de nous avoir donné l'opportunité de participer à cette importante rencontre. Mais surtout féliciter M. Didiac pour son brillant exposé. Moi, je voudrais peut-être revenir un peu sur vraiment les stratégies à mettre en œuvre. Parce que je me dis qu'il faudrait peut-être au niveau qu'on puisse réfléchir national tout en agissant local. Il me semble que chaque commune, par exemple, ou chaque collectivité territoriale puisse donc élaborer ses stratégies, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir au niveau national, parce qu'il y a beaucoup de communes qui sont confrontées à ces changements climatiques-là. Et ce sont les populations qui en souffrent davantage. Et je pense qu'il faudrait peut-être aller au-delà de cela et voir peut-être avec certaines associations comme l'AMS, comme le RES ou autres, la nécessité peut-être d'aller dans le sens d'élaborer des stratégies communes qui pourront vraiment être présentées et peut-être mener le plaidoyer parallèlement pour pouvoir bénéficier de ces fonds parce qu'ils ne sont pas aussi faciles d'accès souvent. L'autre point que je voudrais, ça c'est une question que je voudrais peut-être aborder, c'est par rapport à la zone de libre-échange continentale. Est-ce qu'il y a réellement donc vraiment une stratégie régional ou bien même sous-régional au niveau de la CEDEAO en termes donc de politique de résilience par rapport à ces changements climatiques-là. Parce que je pense que c'est là où le plaidoyer pourrait être mené et pourrait avoir beaucoup plus d'impact. Je vous remercie. Adjaratou, pour ces contributions, nos salutations aussi à tous les collègues de la CEPEX, je pense que c'est important d'y aller, comme on l'a dit, et Didiac est vraiment revenu sur cet aspect-là. C'est l'importance du partenariat. Didiac et les autres, Mangan notamment, sont revenus sur ça. Et ce que vous proposez peut être pertinent de réfléchir sur les stratégies et l'articulation entre les échelles nationales et locales pour avoir une stratégie commune et adaptée et mieux faire le plaidoyer. Sur l'importance aussi de nos institutions africaines, la CEDEAO et aujourd'hui même le ZILECAF pour articuler tout ce travail et cette évolution des changements climatiques en lien aussi avec le développement économique local. Peut-être une piste importante sur laquelle il faudra qu'on pousse la réflexion. Merci en tout cas pour ces réflexions et ces suggestions. Dernier intervenant, Ndiaye. Merci. Merci beaucoup, Abdoulaye. Après cette belle présentation, en tout cas, de M. Faye,
Je souligne de deux traits les mots efficacité et efficience. Ce qui m'amène d'ailleurs à dire en guise d'exemple que les collectivités territoriales qui sont par exemple sur la bande littorale peuvent élaborer leur projet, doivent s'appuyer sur la mutualisation, l'intercommunalité, compte tenu en tout cas de la complexité et de la diversité des problèmes relatifs au changement climatique. Pour moi, la démarche solitaire ou partielle peut être également source de problèmes hein, dans d'autres localités. Une commune peut prendre, par exemple, des initiatives, élaborer son projet, mais peut-être que le règlement de certaines questions peut engendrer des problèmes dans une autre commune, d'où vraiment l'intérêt de promouvoir l'intercommunalité, et que je considère en tout cas comme gage d'efficacité et d'efficience. Voilà pourquoi j'ai souligné de deux traits, en tout cas ces éléments-là qui sont vraiment... en bonne place, en tout cas, dans la présentation de M. Faye. En tout cas, merci pour vraiment cette très belle journée. Merci, M. Ndiaye, sur les deux éléments, efficacité et efficience. Je pense que c'est extrêmement important, comme tu l'as si bien dit, et surtout éviter la démarche solitaire. La démarche solitaire et promouvoir l'intercommunalité. Je pense que c'est des éléments essentiels qui reviennent vraiment sur des mots-clés hein, et des synthèses pour pouvoir tirer les enseignements. Je pense qu'on a on a un intervenant tout de suite qui parle en ligne parce qu'il n'a pas ou il n'a pas pu lever la main. Ma question alliée à l'implication des acteurs locaux, particulièrement des OCB, comment les outiller en renforcement de capacité pour bien capter les finances des fonds verts climat. Je pense que c'est extrêmement important. Et toutes les questions aussi, directeurs, qui ont été posées ici, je pense que j'en ai recensé quelques-uns que j'ai eu notés. Sur quelles sont les mesures à prendre pour des synergies d'action entre les populations et toutes les parties prenantes aussi, il y avait cette question. Le rôle que doivent jouer les collectivités et les organisations de la société civile dans le processus, quelle est aussi la part allouée à l'adaptation ou à l'atténuation aussi, et quel rôle doit-on jouer, nous, africain, dans ce débat-là aussi. Qu'est-ce qui a été fait pour un plaidoyer auprès du Front vert climat pour montrer les difficultés d'accès des collectivités et lever les contraintes? Je pense qu'aussi, il y avait une question sur l'importance de l'intercommunalité et sur aussi les priorités des populations et les milieux locaux pour bâtir les projets, comment faire. Et enfin, surtout, la dernière question de tout à l'heure sur le renforcement des capacités. Donc, c'est quelques questions peut-être que j'ai eu à noter ça et là. Et peut-être vous remettre la parole pour un dernier tour. Oui. Et vous remercier très sincèrement aussi. Je pense que tous les participants qui ont pris la parole l'ont dit pour la qualité, encore une fois, de la présentation et pour la générosité un peu dans ces échanges-là. La parole est à vous, directeur. Merci beaucoup, M. Cissé. Je voudrais remercier l'ensemble des participants pour leur appréciation très, très aimable par rapport à ma présentation. Mais je remercie tout le monde aussi pour les contributions très intéressantes, les questions et... les contributions, c'est ça. Je pense, pour répondre, M. Cissé, je vais le faire en diagonale parce que les questions s'interconnectent, des observations, des indications très intéressantes. Et je voudrais d'abord, sans prendre dans l'ordre, réagir à la question à la contribution du colonel Boukar Diouf sur l'accessibilité du fonds vert aux collectivités territoriales.
L'expérience de fatigue montre que ce n'est plus une question des statuts de collectivité territoriale ou d'acteurs locaux ou nationaux. C'est vrai, le temps n'a pas permis, on peut revenir sur certains détails. D'abord, l'ARD, l'Agence régionale de développement, au Sénégal, je peux dire que c'est l'intercommunalité la plus grande au niveau régional. L'ARD est constituée de l'ensemble des collectivités territoriales de la région. Donc, quand l'ARD travaille pour les collectivités, j'aime dire de façon beaucoup plus simple que c'est les collectivités territoriales qui sont les patronnes de l'ARD. C'est elles qui nous donnent instruction de faire ou de ne pas faire. Lorsque nous travaillons, donc, c'est pour les collectivités et elles sont là pour donner l'orientation, pour donner la vision qu'il faut atteindre. Ça, c'est une chose. L'exemple de Fatigue aussi, l'expérience de Fatigue, c'est que c'est les collectivités, mais c'est toutes les associations locales qui ont été impliquées autant dans l'étude de vulnérabilité jusqu'à l'élaboration des fiches de projet à présenter au changement climatique. D'ailleurs, c'est pour cela que le projet qui concernait le Delta a été porté par Twelve Lands. C'est vrai, on va dire que c'est une organisation internationale, mais c'était pour impliquer la justice civile, qui a aussi cette ONG Wetlands au niveau local qui a une approche, parce qu'il a, il a un bureau local qui a une approche très territorialisée, parce que tout son travail est fait avec et pour les collectivités territoriales. Donc, pour revenir, le projet dans son contenu a été élaboré avec les collectivités territoriales. Collectivités territoriales, c'est vrai, c'est représentatif, c'est la démocratie représentative, mais aucune structure locale n'a été oubliée. C'est comme ça que nous avons travaillé pour donner du contenu à la note conceptuelle. La note conceptuelle portée donc par l'ARD et l'ensemble de ses acteurs territoriaux est bien arrivée au fond vert climat, comme tous les autres projets. Donc, ce n'est plus pour moi une question de portage, ni de statut, ni d'institution, parce que le projet de Fatigue aujourd'hui est au niveau de la table des évaluateurs, des experts du Fonds vert, comme tous les autres projets du monde. On est bien arrivé là-bas. Pourquoi on ne nous a pas encore financé après 3 ans ou 4 ans de va-et-vient? Je vais donner l'exemple. Aujourd'hui, l'entité accréditée Centre de suivi écologique, CSE, a 4 projets qui sont sur la table du Fonds vert. Le premier projet qui est en phase de validation, c'est un projet qui est porté par l'ANIDA, qui est donc une institution nationale. Aujourd'hui, l'ANIDA est l'ARD. Donc, ARD, il faut comprendre, les collectivités de la région de Fatigue sont toutes présentes au niveau de cette table d'évaluation des projets. On est tous dans la même classe, il reste l'évaluation. Maintenant, l'ANIDA a son projet arrivé en premier temps. Donc, naturellement, avec la même vitesse d'évaluation, on risque d'avoir le même temps, n'est-ce pas, attendre. Je pense sur cette question, il demeure peut-être à préciser le format. Parce que quand nous avons lancé l'idée de projet, effectivement, nous avons eu des communes qui ont déposé des projets communaux. Et ils ne sont pas passés parce que le territoire n'était pas pertinent. On a d'abord pris les projets qui étaient beaucoup plus dans des territoires intéressants et mieux. Quand les techniciens, maintenant, le comité technique, quand il est arrivé, on les a retravaillés pour voir la dimension la plus pertinente du projet, mais qui est toujours portée par les collectivités territoriales. Donc, on est bien arrivé au fond vert et le financement, l'adoption du projet tarde, mais je reviens sur une chose. Aujourd'hui, là où je me plains, c'est au niveau de l'entité accréditée, plus ou moins de l'AND, parce que l'AND a un rôle beaucoup plus de gouvernance et d'administration, mais c'est l'entité accréditée, à mon avis, qui devait faire le plaidoyer, que ce soit aussi défense technique du projet, et voir comment accélérer le travail. Quelqu'un l'a dit, combien de fois nous avons envoyé une réponse pour revoir les mêmes éléments de questions revenir parce que l'expert évaluateur a changé entre-temps. Et ça, le porteur du projet ne peut pas le prendre en charge parce qu'il n'est pas l'interface directe avec le fonds vert. J'ai eu à participer une seule fois
une réunion qu'il m'avait invité. Donc, l'entité accréditée tenait une réunion virtuelle avec le Fonds vert pour discuter sur la note conceptuelle. Mais je dis, certains éléments de défense, c'est l'entité accréditée qui doit le porter. Et certes, les éléments de réponse aussi tardaient par manque de temps ou parfois même d'expertise. Parce que si vous avez plusieurs projets et que vous n'avez pas de ressources humaines en termes de quantité suffisante, je pense que ça peut poser problème. Donc, le format que l'ARD a fait, et ça, je pense, est à capitaliser. Nous avons eu des projets, un projet, je dois dire, qui n'était pas sur une seule collectivité territoriale, mais sur plusieurs collectivités territoriales de la région. Que ce soit l'exemple de Delta, c'est un espace pertinent pour un projet. On a une autre conception sur ça. Et d'ailleurs, une autre limite par rapport aux entités accréditées, on n'a pas pu déposer le projet sur le Delta du Saloum parce qu'on n'a pas une entité accréditée pour porter ce projet. Voyez-vous ce que ça représente comme manque à gagner? Donc, les collectivités territoriales de la région de Fatick, notamment celle du Delta du Saloum, avec un projet de la coopération allemande, avec donc des experts nationaux et internationaux mobilisés, payés par le projet, on peut élaborer des notes conceptuelles pour le Fonds vert portées par des acteurs territoriaux. Mais pour ce grand projet, on n'a pas jusqu'à présent d'entité accréditée qui puisse le porter. Parce que ça dépasse, certes, l'accréditation du centre de suivi écologique. Mais pour le centre de suivi écologique, aujourd'hui, le retard que je peux constater aujourd'hui, au-delà de ces accusations comme quoi la communauté internationale retarde la mobilisation du fonds vert, pour moi, c'est l'entité accréditée, à mon avis, à qui je dois, parce que je ne vois pas d'autre interlocuteur que le CSE, et je pense que le travail est lent, le plaidoyer et la défense du dossier est très lent. Maintenant, revenir sur l'intercommunalité, les territoires pertinents de projet, évidemment, au Sénégal, l'intercommunalité est possible pour porter un projet dans un territoire pertinent. Le décret sur l'intercommunalité vient d'être signé il n'y a pas longtemps, au mois de mai. Donc, la question du territoire pertinent de projet peut être réglée par l'intercommunalité, mais même dans d'autres pays où la décentralisation n'est pas très en avance par rapport au Sénégal, et ce qui reste constant, c'est qu'il faudrait des territoires pertinents de projet de changement climatique pour pouvoir aller au Fonds vert. Et selon le contexte, ce territoire peut être identifié. Je pense que si cela dit, ça peut être des territoires dans la sous-région qui peut dépasser le Sénégal, peut être entre le Mali et le Sénégal, par exemple. Mais un territoire pertinent de projet, quel que soit le contexte, on peut trouver les mécanismes institutionnels pour que le projet soit réalisé. Parce que d'abord, au-delà de nos collectivités territoriales, nous avons des instances régionales et sous-régionales pour que ces territoires puissent être élaborés. Et je sais que dans mes dernières informations, exemple dans le cas de Limoges, en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe, et même au Sénégal, il y avait des réflexions dans le sens pour que des projets puissent être élaborés en escaladant les frontières de pays. Donc, pensée globale, portée locale, il faudrait quand même tout de suite qu'on retienne une chose. Ce qui est recherché, c'est que au Sénégal, en ce moment, nous avons beaucoup de projets de changement climatique, mais qui sont portés par des entités accréditées internationales. Et le souhait, c'est que, d'abord, mais je vais revenir sur les entités accréditées nationales ou internationales, mais le souhait, c'est que les acteurs territoriaux eux-mêmes portent les projets. Et c'est possible. Fatick, avec la GIZ, nous avons montré un montage institutionnel qui a fait que le projet a été élaboré jusqu'au Fonds vert. Évidemment, pendant ce processus, il est important d'avoir, tout simplement, j'allais dire, les moyens financiers. Parce que c'est les moyens financiers qui ont permis de mobiliser des experts. Sans moyens financiers, on ne pourrait pas mobiliser ces experts nationaux et internationaux. Des moyens financiers parce qu'aussi on a fait des mobilisations internes qui a nécessité vraiment des moyens pour faire ces réunions. On n'est pas contre des projets nationaux globaux, mais le défi aujourd'hui dans le contexte, c'est que les projets soient apportés par les acteurs locaux. Évidemment, il faudrait qu'ils aient des moyens financiers pour que la question de l'expertise soit réglée. Et même les projets nationaux aussi auront besoin de ces expertises nationales et internationales. Et il faudrait aussi les moyens pour justement prendre ça en charge.
Donc, vraiment, aujourd'hui, si nous n'avons pas encore obtenu de financement, ce n'est pas par le fait de l'instatut d'acteurs territoriaux, de collectivités territoriales. Ce qui nous bloque aujourd'hui a bloqué l'ANIDA, a bloqué d'autres. Voilà, nous sommes sur la table et on attend. Et ça me permet de revenir sur les entités nationales accréditées. Je suis d'accord avec Djibril Mangan, c'est une compétition saine. Parce que le Fonds vert climat a été donc mis en place pour accompagner les pays les moins développés, n'est-ce pas, dans un processus de développement à émissions faibles, mais aussi de s'adapter. Et justement, l'adaptation est très nécessaire parce que le changement climatique est en train de faire ses effets. Et comme je l'ai dit, les territoires les plus vulnérables, entre-temps, vont subir beaucoup plus ses conséquences. Et c'est ce qui a motivé la communauté internationale à donc appuyer l'adaptation de ces pays les moins avancés. Alors, aujourd'hui, tous ces projets qui sont en mise en œuvre dans le Sénégal, pour l'essentiel, sont portés par la FAO, le PNUD, autres institutions internationales. Pourquoi? Ces entités accréditées sont beaucoup plus aptes à mobiliser les fonds du Fonds vert que nos entités accréditées nationales. Ces projets, c'est vrai, s'exécutent dans les territoires nationaux de l'Afrique, mais ce qui est comme tous les projets classiques d'ailleurs, lorsque ces derniers portent des projets, c'est leur expertise qui arrive, mais pour l'essentiel d'ailleurs, en termes de plus-value, ce sont eux qui en bénéficient. Ils mobilisent des fonds, mais ils nous imposent leurs experts, ils nous imposent autres acquisitions à partir de leur pays. Nous, territoires, on bénéficie de des résultats du projet, c'est pas mal, mais dans cette approche, peut-être les résultats sont amoindris, mais aussi la capitalisation n'est pas nôtre parce que tout simplement, certaines expertises sont des expatriés. Pourquoi nos ANE, nos entités accréditées nationales, ne puissent pas elles-mêmes justement mobiliser les projets et pour nous autres nationaux? Mais mieux, en tant qu'acteur territorial, notre rêve, le défi, c'est que ces projets ne soient plus portés seulement par des entités nationales. Seulement par des entités nationales pour les exécuter dans les territoires. Les territoires aussi pour porter des projets, et le cas de FATIC est un exemple. Aujourd'hui, c'est le financement, c'est l'approbation qui pose problème. Et je dis encore une fois, si j'ai aujourd'hui des complaintes à faire, ce n'est pas seulement au niveau du Fonds vert, mais c'est pour surtout l'entité accréditée nationale. Donc, et quand dans une fiche de projet, dans une autre conception du Fonds vert, il y a les deux parties, il y a la partie adaptation et la partie atténuation. Et le projet est évalué selon ce qu'il amène en termes de contribution pour l'adaptation ou bien pour l'atténuation. Les deux se complètent. Je pense en termes d'enveloppe, c'est justement comme vous dites, nous avons besoin des deux, mais c'est l'adaptation qui nous intéresse. Parce que nous avons beaucoup moins contribué à ces changements climatiques. Et s'il y a atténuation à faire, on sait bien sur quel levier il faut appuyer pour que cette atténuation diminue le plus. On sait bien les plus grandes émissions du monde, on sait dans quel territoire du monde ça se passe. Et s'il y a une atténuation à faire, c'est au niveau de ces derniers de faire le plus. Mais un projet du Fonds vert a toujours une fiche, enfin, des parties où on évalue les éléments d'adaptation à apporter au territoire concerné, mais aussi les éléments d'atténuation. Maintenant, l'enveloppe, je pense que la compétition, c'est que en Afrique, qu'on dépose le plus de projets possibles qui soient validés. C'est ça le plus important, mais l'enveloppe, ce n'est pas une question de... Parce que quelle que soit l'action que vous faites, il y a toujours une partie adaptation, une partie atténuation. Mais le projet portera un titre, adaptation ou atténuation. Mais on ne peut pas... une action climatique va toujours avoir ces deux éléments, mais un élément plus ou moins faible. Mais vous précisez que vous faites de l'atténuation parce qu'il y a peut-être des critères d'évaluation et d'approbation, autant qu'on est en atténuation ou en adaptation. Mais le Fonds vert, encore une fois, était beaucoup plus axé sur les pays les moins avancés pour prendre en charge leur atténuation. Mais moi, j'insiste, je veux bien insister qu'on n'est plus, encore une fois, sur ces questions de collecte locale et de structure nationale. Si la composition est correcte
en termes d'intercommunalité ou bien en termes d'espaces territoriaux pertinents, de thématiques pertinentes par rapport à la priorité du pays, et qu'on respecte les critères de l'entre conceptuel, commune ou communauté rurale, on peut bien déposer le projet. Et ça me permet de dire que dans cette note conceptuelle, peut-être, je pense que la présentation n'était pas de venir sur les éléments techniques qui composent la note conceptuelle du Fonds vert, mais effectivement, dans cette note, les questions de genre sont bien adressées. On demande que l'action adresse, on doit préciser dans l'action les pourcentages d'implication des couches vulnérables telles que les femmes et les jeunes. Donc, ce n'est pas un point qui manque dans l'élaboration de la note conceptuelle du Fonds vert. Excusez-moi. Encore une fois, je pense pour répondre à Madame Yaram Fall, ce projet de FATIC est encore porté par les populations locales. Quand on dit ARD, c'est collectivité territoriale. Quand on dit collectivité territoriale, au point de vue institutionnel au Sénégal, vraiment, c'est l'unité de base pour parler de gouvernance participative. Et à l'intérieur de ces collectivités maintenant, nous avons les OCB qui représentent la population pour matérialiser cette participation. Donc, nous avons vraiment impliqué les acteurs les plus locaux possibles pour élaborer le projet et dans la mise en œuvre aussi, quand l'arrangement institutionnel pour la mise en œuvre, là aussi, nous avions positionné les OCB et autres acteurs locaux. Et par rapport à la pêche, oui, que ce soit à la pêche, que ce soit à l'agriculture, que ce soit à les écosystèmes, on peut bien élaborer des projets, mais ce que je dis, c'est qu'il faudrait des territoires pertinents, et ces territoires peuvent bien correspondre à un groupement de collectivités territoriales, soit-il dans le même pays ou bien d'un pays, de plusieurs pays. Certes, il faudrait un continuum territorial pour rendre le projet beaucoup plus aussi pertinent. Mais on doit adresser aussi des projets d'adaptation sur le secteur de la pêche, parce que c'est un secteur très vital, en tout cas pour l'Afrique, mais surtout pour le Sénégal, et qui est aujourd'hui menacé. Et c'est pourquoi le delta du Saloum, qui est un écosystème très, très important, a aussi fait l'objet d'une note conceptuelle, n'est-ce pas? Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir une entité accréditée pour porter le projet. Parce que c'est ça la règle. Il faut nécessairement une entité accréditée pour aller au Fonds vert. On n'a pas pu trouver. Et ça, ce manque aussi, je me plains auprès de l'AND, qui a en charge justement de promouvoir l'élaboration de maximum de projets qui soient financés par le Fonds vert. À mon ami et frère Sherwad, merci beaucoup pour les appréciations. En tout cas, oui, il faut que nous, acteurs, soit nationaux ou territoriaux, que nous élaborons des projets, parce que ce n'est pas à l'AND de le faire, mais à cette AND, autant dans le cadre du plaidoyer international à travers la Convention cadre, je pense qu'il est temps que les gens fassent tout le nécessaire que le Fonds vert soit beaucoup plus fluide en termes de mobilisation financière. Mais au niveau national, oui, il faut des renforcements de capacités pour l'ensemble de ces acteurs. Et d'ailleurs, je sais que pour les AND, autorités nationales désignées, et pour les entités accréditées, ils ont beaucoup de financements collatéraux relatifs au renforcement de capacités. Peut-être nous autres acteurs externes, mais ces dernières, je sais qu'ils en font beaucoup. C'est pas mal parce que ça a les outils pour mieux nous accompagner. Mais il est temps maintenant que ça soit beaucoup plus efficace et que des projets soient financés par par le Fonds vert, portés par des acteurs nationaux, locaux et efficacement accompagnés par les entités nationales accréditées. Donc, Oui, je pense que j'ai un peu répondu de façon horizontale ou diagonale. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé des financements endogènes. Évidemment, je pense que nos projets élaborés ne devraient pas infiniment attendre le financement international pour prendre en charge des questions de changement climatique très, très urgentes. Mais
Il y a aussi une thèse qui voudrait que ces acteurs mondiaux qui ont beaucoup plus contribué à l'avènement du changement climatique, il faudrait qu'ils payent en prenant en charge justement la question de l'adaptation, non seulement à travers ce qu'on dit, dommage et il y a une expression anglaise, mais dommage, les dommages en tout cas qu'ils ont eu à les effets néfastes qu'ils ont eu à causer à la planète Terre, ils devraient être les premiers à financer la prise en charge de ces questions. Et donc l'adaptation comme la définition initiale ou bien l'objectif initial du Fonds vert, aider les pays moins développés à s'adapter, nous amènerait à dire oui, même si nous avons des moyens endogènes, c'est vrai, c'est à mobiliser pour notre développement, mais il me semble nécessaire que ces pays-là renflouent les fonds du Fonds vert et que ces fonds arrivent pour accompagner nos territoires déjà très éprouvés à faire une adaptation beaucoup plus efficiente pour que le développement même puisse aussi prendre des parts. Voyez-vous, donc, oui, pour les ressources endogènes, mais il faudrait que je suis en phase avec ceux qui pensent que ces derniers doivent payer la pollution ou bien les changements climatiques qu'ils ont beaucoup plus provoqués que les autres nations en mobilisant les moyens qui financent l'adaptation, qui financent carrément le développement de ces paiements. Il se pourrait que j'ai sauté des questions, mais ce que je voulais dire encore une fois, les territoires locaux peuvent bien porter des projets jusqu'au fond vert. On y arrivait, c'est le financement. Comme Anida qui tarde, je l'impliquerai beaucoup plus à nos AND, à nos ANE, et après, certainement, à un niveau beaucoup plus stratégique, c'est la volonté de la communauté internationale à laisser ces fonds du fond vert couler vers les pays qui en ont beaucoup plus besoin. Pour le reste, oui, dans la fiche de projet, c'est question de genre, de participation citoyenne, d'efficacité, d'efficience sont bien abordées. Il faut bien le démontrer avec des ratios que la fiche de projet demande de calculer. Et ça me renvoie vers les dernières considérations, c'est que la note est tellement technique que ce n'est pas, l'institution qui porte un projet n'a pas besoin forcément d'avoir une expertise interne. C'est vrai, il en faut, mais l'expertise qui doit accompagner l'élaboration du projet, souvent, nécessite du faire-faire. N'est-ce pas? Il y a des experts qui sont là, qui sont mobilisés, et même le Fonds vert peut financer à travers toujours l'entité accréditée. Le Fonds vert finance la mobilisation d'experts pour accompagner le porteur du projet. Donc, le porteur du projet, certes, a besoin d'une certaine expertise qui puisse comprendre le processus, mais par rapport à l'accompagnement, par rapport à la finalisation technique, c'est une expertise externe qui est mobilisée et le Fonds vert finance, ça, à un certain niveau du projet, le Fonds vert finance l'entité accréditée pour qu'on accompagne le porteur du projet à améliorer sa note technique et aussi au développement de la proposition de financement. Merci encore une fois, chères participantes, chers participants, pour vos mots très aimables. Et encore une fois, vous dire que peut-être j'étais beaucoup plus ambitieux pour une présentation, pour des réponses beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus claires. Je vous remercie encore une fois. Merci. Merci. Merci beaucoup, directeur. Je pense que les questions ont aussi obtenu des réponses appropriées, à mon avis, hein, sur l'ensemble aussi des points qui ont été abordés par les participants. Les réponses adressées sont aussi très, très pertinentes. Je pense que nous sommes aussi très satisfaits un peu de cette rencontre-là. Et tous les éléments et les objectifs essentiels qui étaient attendus ont été vraiment atteints. Encore une fois, nous vous remercions pour votre belle communication, votre générosité, parce que les participants l'ont eux-mêmes dit. Je pense que ça a été d'abord une véritable activité de renforcement des capacités au-delà des échanges et un peu des recommandations qui ont été partagées avec l'ensemble des parties prenantes ici présentes sur la plateforme. Aujourd'hui, je pense qu'on a assez d'orientation par rapport à
ce qu'il faudra faire aujourd'hui pour encore mieux accompagner nos collectivités face aux appels à projets du Fonds vert climat, parce que c'était ça qui était attendu. Quelle approche, mais quelle bonne pratique. Je pense que l'exemple que vous avez développé au niveau de la région de Fatick avec l'ensemble des parties prenantes et tous ceux qui ont aidé, depuis les communautés jusqu'au niveau collectivité et même État central, je pense que tirant les enseignements de cette approche-là, les étapes, les limites, les défis, les difficultés, et surtout aussi les critères d'investissement, l'expérience même, on peut aujourd'hui, même si on le sait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour aller préparer et entrer dans le processus et suivre le cursus jusqu'à la fin, les 13 étapes que vous aviez présentées sont de véritables parcours de compétences, mais cela n'empêche, comme le disent certains participants, si certains le réussissent, nous pouvons le faire. Et la question de l'expertise qui a été vraiment soulevée est, à mon avis, important à prendre en compte. Je pense que c'est à nous aussi de voir où se trouvent nos intérêts, parce que c'est vrai, ceux qui viennent nous accompagner viennent avec des intérêts, on ne peut pas leur reprocher ça aussi. S'ils viennent, c'est parce qu'ils ont intérêt à développer certaines initiatives ou à voir développer certaines initiatives qui entrent dans leur plan stratégique ou dans leur orientation stratégique. Nous aussi, même si l'expertise n'est pas toujours là au Sénégal, je pense que on peut voir l'opportunité de s'ouvrir sur la diaspora qualifiée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts sénégalais, il faut le dire, qui sont dans les institutions internationales, qui sont dans les universités à l'international et autres, qui ne demandent qu'à venir travailler et servir le pays, même si c'est une modeste contribution qu'il faudra mettre en avant pour les faire déplacer et autres. Mais je pense qu'aussi, il faudra réfléchir sur, encore une fois, comment les mobiliser, parce qu'ils ont développé vraiment une très forte expertise sur la plupart de ces questions qui sont en discussion aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui si on veut aller et décrocher, de mettre en avant l'efficacité et l'efficience, comme tu l'as si bien dit, directeur, et sur lesquelles la plupart des intervenants sont revenus. Et pour cela aussi, comme à l'unanimité, on l'a tous noté, le meilleur moyen, c'est l'échelle la plus pertinente, c'est l'échelle intercommunale sur laquelle il faudra qu'on travaille davantage pour porter ces initiatives. Parce que quand ces projets du plus small au plus large peuvent aller jusqu'à 250 millions de dollars pour pouvoir mobiliser quand même ces fonds, il faudra bâtir quelque chose de solide et aller les défendre. Et pour cela, je pense que le fait d'avoir des grandes entités locales, régionales, sous-régionales, de grands projets du genre, parce que comme on l'a dit et constaté, les changements climatiques n'ont pas de frontières. Ils nous titillent tous dans nos espaces. C'est à nous aujourd'hui aussi d'être très ambitieux, je dirais, et très innovant aussi, mais très inclusif, parce que la question aussi de l'implication des différentes parties prenantes s'est posée, les groupes de jeunes, les groupes de femmes, que tout le monde soit plus impliqué pour que ceux qui travaillent autour des collectivités locales puissent prendre les priorités et les adresser là où il faut. En tout cas, je voudrais au nom de l'ensemble de l'équipe, qui a eu à travailler aussi sur la préparation de ce webinaire, vous dire merci au nom du directeur exécutif de ENDA et secrétaire général de l'OIDP aussi, et vous donner rendez-vous à une prochaine rencontre. Et pour cela, nous donnons la parole à Aïssatou Dramé, Madame Ba, qui est chargée de la préparation et du suivi de ce master-là, de nous indiquer la prochaine voie. Aïssatou, est-ce que tu es sur la plateforme? Bonjour, Moucher Cissé, oui, je suis là. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés des Masta. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger sur les thématiques d'enjeux, des thématiques extrêmement importantes et qui nous permettent aujourd'hui d'aborder les défis de développement, de partager des expériences, des cas de succès, mais également de renforcer les capacités. Je remercie infiniment Moucher Faye pour sa disponibilité,
sa générosité intellectuelle qu'on a d'ailleurs sentie tout au long de sa communication et de l'échange avec les participants, mais surtout aussi pour la qualité de sa présentation. À la tête de l'Agence régionale de développement de FATIC, à l'image de l'ensemble des ARD aussi, ils sont en train d'abattre un travail remarquable, en tout cas, aux côtés des collectivités territoriales. Donc, merci beaucoup pour la disponibilité et surtout de nous avoir gratifié de cette présentation très riche. Je pense que la pertinence de la thématique du jour aussi ne fait aucun doute au regard des échanges et surtout des partages d'expériences. Et nous espérons que les informations partagées aussi seront bénéfiques pour toutes les collectivités africaines qui pourront l'adapter à leur réalité locale, mais aussi avec des doses de créativité et d'innovation. Parce qu'in fine aussi, c'est ce qu'il faut parfois pour avoir son compte. Nous allons évoluer, comme vous l'avez dit, M. Cissé, vers d'autres thématiques. Et le prochain master se tiendra le jeudi 7 septembre. Et portera sur la problématique de la mobilisation des ressources financières propres des collectivités territoriales africaines, les leçons apprises et bonnes pratiques aussi qu'on va partager avec d'éminents experts venant de différents pays qui vont effectivement nous partager ces mécanismes et nous dire comment est-ce que aujourd'hui il y a des dispositifs innovants qui permettent donc cette mobilisation de ressources propres. La note de cadrage et le flyers donc, de ce webinaire seront partagés à l'image donc, des précédents. Et nous vous invitons à faire une large diffusion dans vos réseaux. Aussi, la présentation et l'enregistrement de ce présent webinaire aussi seront partagés à tous les participants. Je vous remercie et à très bientôt. Merci encore, M. Faye. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je voudrais juste, avant qu'on ne quitte, qu'on fasse nos traditionnelles photos de famille. Et inviter tout le monde à ouvrir les caméras pour qu'on puisse, avant de terminer, faire la photo de famille et clôturer la session. Nous invitons tous à ouvrir les caméras, ce qui nous permettra de pouvoir donner l'opportunité à nos techniciens de le faire. Et nous allons le partager aussi, cette photo à tous. De même que, comme Aïssatou l'a dit, les temps forts de cette rencontre, le lien d'enregistrement et la présentation. Directeur, un grand merci à toi et félicitations pour cette excellente contribution pour le renforcement des capacités des décideurs et acteurs de nos collectivités territoriales d'Afrique. Merci. Khadim? C'est bon. Merci à vous et merci. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.